Alors, aujourd'hui, on va faire un peu de technique avant de pouvoir discuter plus précisément les tests, certains tests de relativité générale, à la fois dans le système solaire et dans les pulsars binaires. Et pour ça, il y aura une séance technique sur le problème à n-corps relativité générale. En relativité générale, problème à n-corps, ça ne veut pas dire forcément résoudre les équations n-corps, mais ça veut dire obtenir d'abord les équations du mouvement de n-corps en relativité générale, ce qui est un problème en fait, qui est toujours en cours de résolution à des approximations de meilleur en meilleur. Je vais parler ici de l'approximation la plus basse, mais non triviale. Autrement dit, la question est, quelle est la généralisation en relativité générale du potentiel d'interaction à deux corps? On sait que si vous avez deux charges électriques, à l'approximation la plus basse, le potentiel de Coulomb est égal à plus E1, E2 sur la distance spatiale entre les deux corps, entre les deux charges, quand les charges sont au repos. Si vous avez deux masses à l'approximation la plus basse, le potentiel d'interaction, c'est le potentiel newtonien qui ressemble à ça, sauf qu'il y a un signe de différence. On discutera aussi de ce signe. Il y a la constante de Newton et puis il y a ce à quoi se couple la gravitation. Donc c'est un potentiel en 1 sur R, mais il y a les masses. Donc la question qu'on va se poser, c'est une façon de voir cette interaction du point de vue relativiste et voir comment en relativité générale on calcule non seulement ça à l'ordre le plus bas, mais quels sont les termes derrière, c'est-à-dire quelle est la vraie interaction à deux corps et comment on peut la décrire. Et en fait, ça ouvre tout un champ d'investigation qui a conduit Feynman à introduire ces diagrammes. Donc en fait, on va introduire des diagrammes pour représenter ça, mais c'est pas forcer la main comme de dire « Ah, on est en mécanique classique et on va introduire des diagrammes comme ça pour avoir l'air sexy ». C'est en fait, ils ont été découverts par Feynman dans ce problème classique quand il a voulu le quantifier. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle l'action de Fokker que je vais expliquer. Je vais expliquer d'abord l'interaction de deux relativistes, de deux charges, c'est-à-dire quelle est la version relativiste du potentiel de Coulomb, parce que c'est là-dessus que Feynman a travaillé avec Wheeler. Donc, il y avait en fait, Wheeler et Feynman citent entre autres ce travail fondamental de Fokker de 1929, et je vais expliquer ce que c'est que l'action de Fokker. L'action de Fokker, qui a été donc repris par Wheeler et Feynman, dans des travaux que Feynman a commencé, c'était le début de sa thèse, vers 42 à Princeton. La publication, à cause des événements qui ont eu lieu entre 44 et 45, qui ont occupé à la fois Wheeler et Feynman à d'autres choses, comme vous savez, n'a été faite qu'en 1949. Mais c'est au cours de ce travail que, en fait, Feynman a pensé à décrire l'interaction par ce petit dessin. Et je vais expliquer à quoi correspond ce dessin techniquement dans le calcul de Fokker de 1929 et dans le calcul gravitationnel qu'on va faire. Alors, l'action de Fokker commence à se poser la question suivante. On est ici en relativité restreinte et on considère le Lagrangien, l'action d'interaction entre le champ électromagnétique A mu de X et un certain nombre de particules ponctuelles dans l'espace-temps. Donc vous avez dans l'espace-temps des charges électriques, un certain nombre, EA, EB, EC. Et puis, entre elles, tout ça interagit avec un champ électromagnétique, A mu. Et Fokker, donc, quelle est l'action de ce système, qui est un système de champ couplé entre champ et matière? C'est donné par une action qui contient des termes de champ, donc dans les unités agréables CGS, malheureusement, vous n'avez sans doute appris que les unités SI qui sont vraiment mauvaises, où il faut mettre la permittivité du vide qui a une valeur pas naturelle, alors que là, il n'y a vraiment que 4 pi dans ces unités-là. Donc vous avez un quart parce que l'action du champ, c'est E2 moins B2.
Et donc, 1 demi de E2 moins B2 quand vous le mettez canonique, mais comme ici, il y a des indices antisymétriques, donc il y a un terme qui est répété deux fois, c'est pour ça que vous mettez un quart, et puis vous mettez le 4 pi de plus. Donc ça, c'est l'action du champ électromagnétique habituel, où la puissance du champ, comme ce qu'on dit en français, F mu nu, est égale au rotationnel de relativité restreinte du champ de jauge A mu. Bien. Et puis après, vous avez l'action qui représente le terme cinétique des particules dans la relativité restreinte, qui est donc une somme sur l'indice. Alors, je vais introduire un indice A qui varie sur le nombre de particules. Pour un problème à n corps, A ira de 1 à n. Donc, ces termes, c'est moins la masse, C, et puis le temps propre, dS. Ça, c'est la somme de A, de moins MA, C intégrale de DSA le long de ces lignes d'univers. Et puis après, terme essentiel, ça c'est pour, ce sont des particules libres. Si je n'avais que cette action-là, les particules suivraient des lignes droites, en prenant les géodésiques dans l'espace de la relativité restreinte de cette action-là. Si je n'avais que cette action-là, j'aurais des ondes du champ électromagnétique libre qui passent. Et donc il y a un terme d'interaction qui est bien sûr essentiel. Ce terme d'interaction, il est décrit par cette action, qui introduit comme coefficient de couplage la charge, EA, et le terme de couplage, c'est l'intégrale sur les lignes d'univers de A mu dx mu. Donc c'est une informe. Sous cette forme-là, c'est totalement indépendant du paramétrage. Ici, j'ai dit qu'en général, les lignes d'univers, vous pouvez paramétriser par un paramètre P quelconque, qui est pas forcément, qu'il ne faut pas utiliser le temps propre, a priori, parce que si vous mettez le temps propre, vous voyez plus le côté dynamique de cette action. Donc ici, n'importe quel paramétré, mais comme ça, c'est une informe, ça dépend trivialement du paramètre, c'est homogène. Donc ce terme-là, si vous l'écrivez explicitement, hein, il vaut moins... Si j'utilise comme paramètre P le temps T, ok, alors ici, vous aurez le dx0, cette intégrale vient somme de dt. D'abord, comme ici, j'ai x0 qui est ct, ça annule le facteur 1 sur C que j'ai mis devant, donc vous trouvez EA. Et puis là, vous avez A0 en bas, mais que je peux réécrire comme moins A0 en haut, à cause de la signature de la métrique, plus AI VI. Autrement dit, vous trouvez ici le potentiel électromagnétique A0. Donc ce terme-là, c'est comme un Lagrangien habituel. Dans un Lagrangien, vous avez les termes cinétiques moins les termes potentiels. Et le terme potentiel, vous avez le potentiel scalaire moins AV. On voit donc le couplage magnétique qui est dû à ce couplage entre cet indice-là et cet indice-là. Bien. Alors, si vous prenez cette action-là, maintenant l'idée essentielle de Fokker, c'est de dire cette action est pour un système général où j'ai la dynamique du champ et puis j'ai la dynamique des particules. Mais maintenant, je vais considérer le cas particulier où le champ est créé uniquement par les particules et je veux un système conservatif, un système où il n'y a pas de... parce que je veux trouver une action, un système où il n'y a pas d'énergie qui est perdue à l'infini et où le système va pouvoir être décrit comme un système de particules en interaction via le champ électromagnétique qu'elle crée elle-même. Donc pour faire ça, oui. Le deuxième terme, c'est un terme de Gates. Oui, je vais le dire. Je l'ai prévu là, mais je ne l'ai pas encore expliqué, oui. Oui, oui, pardon. GF, ça veut dire gauge fixing, et je vais expliquer pourquoi. Donc, pour pouvoir résoudre donc l'idée de Fokker, c'est que vous partez d'une action qui dépend de deux types de variables, un champ et des particules. Vous allez dans cette action, remplacer le champ par une fonctionnelle des particules, et comme ça, vous aurez une action qui ne dépend plus que des particules. Ça, au niveau non-relativiste, ça veut dire, si j'ai un terme d'interaction, par exemple de Coulomb, entre une charge et le potentiel créé par l'autre charge, je remplace le potentiel créé par l'autre charge par son expression, le potentiel de Coulomb, et maintenant j'ai un terme qui est le potentiel de Coulomb, E1, E2 sur R. Mais quand j'ai écrit E1, E2 sur R, j'ai résolu l'équation du champ à l'approximation la plus basse. Donc on va faire ça dans un cadre relativiste. Mais pour faire ça, regardons les équations de champ. Si je ne regarde que... l'action du champ écrite comme ça avec F carré, donc sous forme gauge invariant, invariante de jauge, vous avez une équation qui s'écrit, je vais l'écrire là-bas, qui s'écrit l'équation de Maxwell, d mu nu, F mu nu,
est égal à 4pi j mu, et dans lequel, bon, j mu, on va l'écrire tout à l'heure, c'est, je vais l'écrire tout de suite. Vous faites la variation de cette action par rapport à a mu. Et vous trouvez comme ça qu'il apparaît un j mu de x qui est égal à la somme sur les charges de l'intégrale dx à mu d'une fonction delta à 4 dimensions de x moins x à mu. Bon, si vous voulez, je mets un autre indice ici. Ce qui s'écrit aussi, somme sur a de ea, l'intégrale de dsa u à mu delta 4. Donc, quand vous faites la variation fonctionnelle par rapport à a, vous devez calculer une dérivée fonctionnelle de cette action par rapport à A. Mais le champ A, ici, il est pris sur la ligne d'univers. Donc ça veut dire, quand vous prenez la dérivée fonctionnelle, vous avez une fonction de Dirac, pardon, distribution de Dirac à 4 dimensions, delta 4, qui est donc, qui a la propriété que dans une intégrale à 4 dimensions, d4 de f de x, delta de x moins, alors cette fois, xa de xs, qu'enfin n'importe quoi ici, est égal à f de xa de s. Okay. Donc ça, c'est le courant engendré par les particules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce courant est un courant à valeur distributionnelle qui est nul partout, sauf le long de ces lignes d'univers, mais il est écrit ici comme une intégrale le long de la ligne d'univers. Alors, comme il y a une intégrale ici sur le temps, et que ça, vous avez une fonction, une distribution delta à quatre variables, qui est donc un delta à 3 dimensions et un delta à 1 dimension. Le delta à 1 dimension est tué par l'intégrale sur le temps, et donc ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui est nul dans l'espace, qui est nul partout, sauf qu'une distribution de delta, si vous le regardiez à un t constant, vous verriez que ce courant est nul partout, sauf en ce point-là. Bon, on le verra plus précisément après. Mais maintenant, j'ai donc ce courant-là, je veux résoudre cette équation. Si j'écris le membre de gauche, explicitement, le membre de gauche, il vaut, comme ça, ça vaut d mu à nu moins d nu à mu, ça vaut d nu, d mu à nu moins d nu à mu, le membre de gauche. Et si vous essayez maintenant de résoudre cette équation, vous ne pouvez pas, simplement parce que elle est, la raison physique, c'est que comme c'est un invariant de jauge, justement, si j'ai une solution, n'importe quelle solution à laquelle j'ajoute le gradient d'une fonction scalaire est aussi une solution. Donc je ne peux pas inverser ça, je ne peux pas trouver une solution unique satisfaisant ça. On sait bien sûr la solution, c'est qu'il faut fixer la jauge. Et pour ça, on peut introduire la jauge dite de Lorentz, qui, les gens s'accordent maintenant à dire que le Lorentz qui introduit la jauge de Lorentz, ça n'est pas Hendrik Lorentz, avec un T qui a écrit la première fois les équations de Maxwell de façon agréable, mais c'est l'autre Lorentz, celui de la loi de Lorentz dans les milieux diélectriques, que vous avez peut-être vu. C'est vrai, je sais que c'est plus... mais on ne va pas rentrer trop là-dedans. On va appeler jauge de Lorentz, ou condition de Lorentz, le fait d'écrire, enfin d'imposer que d nu de a nu égale à 0, donc de fixer la jauge de Maxwell par cette contrainte supplémentaire pour éliminer ce premier terme, parce qu'on est dans l'espace plat. Ici, j'ai deux dérivées, mais je peux les commuter. Et donc, vous voyez que le premier terme est le gradient de cette condition-là. Donc, sous la condition de la jauge de Lorentz, les équations de Maxwell deviennent d'Alembert dans l'espace plat de a mu est égal à moins 4 pi j mu. Et là, on peut les résoudre comme Lorentz avec un T l'a fait, avec, et avant lui, Lienard et Wishart, mais avec des potentiels retardés, ce qu'on va faire à l'instant. Mais comme ici, je travaillais avec une action, il faut que mon action me donne les équations du mouvement que je suis en train de résoudre. Donc, comme je ne suis pas en train de résoudre les équations de Maxwell, mais une version des équations de Maxwell où j'ai imposé une condition de jauge, il faut que je rajoute un terme dans mon action pour que la variation, la dérivée variationnelle de l'action, me donne bien les équations que je suis en train de résoudre. Et pour ça, comme il est toujours le cas, enfin, c'est des types de jauges covariantes, il faut rajouter un terme dans l'action, dit en anglais de gauge fixing, GF, qui est proportionnel à l'intégrale à 4 dimensions du carré de la condition de jauge.
Bon, vous prenez ça parce que quand vous faites avec un coefficient que vous mettez devant, et vous voyez, en prenant ce terme-là, si vous refaites le calcul, que vous pouvez trouver un coefficient où ce terme-là disparaît. Bien. Donc, on prend cette action. Alors, comme il se trouve que c'est le carré de la condition de jauge, en fait, ce terme-là est nul au deuxième ordre, et finalement, pour la valeur numérique de l'action, ça ne change pas par rapport à la bonne action de Maxwell. Mais enfin, ça, c'est un détail. Donc, on travaille avec cette action-là, et quand du coup, vous faites la somme de ce terme-là, vous trouvez que l'action pour le champ de Maxwell, sous forme gauge fixe, est égale à moins 1 demi, il y a toujours le 1 sur 4 pi, l'intégrale de d4x sur c de d mu à nu. Donc vous trouvez quelque chose de très simple, qui effectivement, comme c'est juste où les contractions, c'est entre cet indice-là et cet indice-là, cet indice-là, et vous vérifiez immédiatement que cette action-là donne bien cette équation du mouvement-là. Alors, les signes sont importants dans ce business, et donc, pourquoi ça a un signe moins? La raison est la suivante, c'est d'abord parce que j'utilise la signature moins pour le temps et plus pour l'espace. Et comme c'est plus pour l'espace, vous voyez que les composantes AI, qui sont les plus nombreuses démocratiquement là-dedans, ici vont avoir un signe plus, alors que devant la dérivée temporelle, il y en a un qui est en haut et un en bas, donc pour l'indice mu égale à 0, le terme cinétique du champ, ici c'est moins A point I carré, et donc il faut que l'énergie cinétique du champ soit positive, pour pas que ça soit ce qu'on appelle un fantôme. Donc tous les champs doivent avoir toujours un terme cinétique plus A point carré, si vous regardez les composantes physiques du champ et leurs dérivées temporelles. Donc ça explique pourquoi il y a un signe moins devant. Okay. Et on verra pour la gravitation qu'on a le même signe moins. Maintenant, comment résout-on cette équation-là? Eh bien, comme vous le savez, il faut avoir soit une solution élémentaire, soit une fonction de Green, c'est-à-dire, comme j'ai mis les facteurs 4π qui sont ceux qui apparaissent dans les unités naturelles et qui apparaissent aussi d'ailleurs dans la relativité générale, puisqu'il y a 16πg, il est naturel de définir la fonction de Green comme, en incluant ce facteur 4π, c'est-à-dire je vais définir fonction de Green une fonction telle que le d'Alembertien de G est égal à moins 4pi d'une distribution de Dirac à 4 dimensions de x moins y. Okay. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la valeur de la fonction de Green? Alors, à cause, dans le cas statique, vous savez que, en fait, le potentiel 1 sur R, justement, satisfait la place de 1 sur R et moins 4pi delta à 3 dimensions. Donc, on retrouve le même moins 4pi. Et si vous êtes dans l'espace de la relativité restreinte, il y a deux types de solutions. Enfin, il y a tout un ensemble. Ça, il y a toute une panoplie de fonctions de Green. Parmi ces fonctions de Green, il y a des fonctions de Green qui, étant donné le point source, sont émises dans le futur. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le point X, qui est le point de champ, où je regarde le champ, et puis Y, je vais mettre la source, j'ai une première fonction de Green, qui est la fonction de Green retardée, qui est donc émise par le point. Cette fonction retardée, on sait depuis longtemps que ça est égal à une distribution de Dirac à une dimension de T moins X sur C sur 1 sur X. Donc c'est le potentiel en 1 sur R, mais avec une fonction delta retardée, T moins R sur C, qui dit que l'action électromagnétique s'est propagée à vitesse de la lumière. Vous avez une fonction de Green avancée, qui est la même, mais au lieu d'avoir un signe moins ici, vous avez un signe plus. Pardon. Ici, c'est quand je mets le point source à l'origine, parce que cette fonction de Green ne dépend que de la différence des deux points, tout est invariant sous translation, et donc j'ai écrit les choses ici sous la forme la plus simple possible. Mais si j'utilisais soit ça, soit ça, j'aurais un système qui n'est pas conservatif, un système qui perd de l'énergie à l'infini ou qui, au contraire, en gagne depuis moins l'infini. Donc, l'idée de Fokker, c'est d'utiliser la fonction de Green symétrique, celle qui ne distingue pas passé et futur. Donc il y en a une qui est comme ça, il y en a une qui est comme ça, de fonction de Green, et la fonction de Green symétrique, c'est une fonction de Green qui est symétrique entre le passé et le futur, c'est la demi-somme
de la fonction de Green avancée et de la fonction de Green retardée. Comme chacune satisfait la même équation, si vous prenez la demi-somme, ça satisfait bien cette équation-là. Et donc ça, c'est égal à 1 sur 2 x fois delta à une dimension de t moins x sur c, plus delta de t plus x sur c. Bien. X étant le module, donc c'est 1 sur r. Hein, c'est en termes ordinaires, on dirait que c'est delta de moins ou plus delta de r sur c sur r, cette fonction de Green. Donc, voilà. Maintenant, alors cette formule-là, on est en train de résoudre un problème relativiste. Et la beauté du travail de Fokker, c'est d'avoir, et c'est ça qui a frappé Wheeler et Feynman, c'est d'avoir écrit les choses qu'avec des invariants relativistes. Là, ça n'a pas l'air très invariant relativiste parce que ça dépend du temps t de x dans un repère de Lorentz particulier. Mais en utilisant la formule de transformation des distributions delta, c'est-à-dire si vous avez, vous savez, delta, non pas de t, mais d'une certaine fonction de t différenciable et qui a un certain nombre de zéros, ça c'est égal à une somme sur les zéros, de, c'est-à-dire les points phi t0 égale à 0, de delta de t moins t0 divisé par la valeur absolue de la dérivée des phi sur dt0 à ces points-là. Bien. Donc en prenant cette formule, vous vérifiez facilement que ça est égal à C delta, ça c'est des deltas à une dimension, distribution de Dirac d'une variable, alors qu'ici on a un delta dans R4. Vous trouvez facilement que c'est égal à ça, parce que si vous prenez ça, une fonction delta de l'invariant relativiste C2T2 moins X2, par rapport à la variable T, il va y avoir deux racines. Justement, CT égale plus le module de X ou moins le module de X, et vous combinez les deux racines par cette formule, et vous trouvez que ça engendre précisément ces deux termes-là. Autrement dit, la fonction de Green symétrique, en tant que fonction de, si je l'écris, de X mu et de Y mu, dans l'espace-temps de la relativité restreinte, est égale à C fois la distribution de delta à une dimension de l'invariant de l'intervalle carré entre les deux, x mu moins y mu, x nu moins y nu. Voilà, donc vous voyez, sous cette forme-là, j'ai retrouvé l'invariance relativiste explicite, la fonction de Green, et simplement, dans la suite, on va faire c égale à 1, aussi pour simplifier, pour éviter, j'ai essayé de les garder jusqu'ici, des facteurs c, est une fonction delta de l'intervalle entre les deux. Ce qui veut dire simplement qu'on voit ici, c'est que si j'ai un point source ici, y, la fonction de Green va être nulle partout, sauf sur le cône de lumière, c'est-à-dire à x moins y carré est égal à 0, et la fonction de Green est simplement la distribution delta de cet intervalle carré. Bien. Donc, maintenant, je peux résoudre A mu, et donc je trouve que A mu exprimé en fonction des sources, mais toujours calculé au point x, et en tant que fonctionnel, cette fois, des world lines, est égal à l'intégrale de d4y de g-sim de x moins y, j-mu de y. Donc je résous cette équation-là, d'Alembertien de A-mu égale moins 4pi j-mu. Ça veut dire que c'est la convolution entre la fonction de Green symétrique et la source, j-mu, mais que vaut le courant? Le courant, comme je dis, c'est l'intégrale sur des lignes d'univers. Donc je remplace maintenant dans cette formule l'expression explicite du courant, qui est une intégrale de fonction delta à quatre dimensions le long des lignes d'univers. Et donc, comme j'avais avoir une fonction delta au point source qui est y de d4y d'une fonction delta, je peux calculer ça facilement et ça me donne une intégrale le long des lignes d'univers. Donc je trouve, c'est à quoi on s'attend, que ça est une somme sur l'étiquetage des particules A, qui vaut de 1 à n pour un problème à n corps, de l'intégrale de dSA, g-sim, de x moins xA de SA, de uA mu. Ici,
j'ai utilisé comme paramétrisation explicite, je ne sais pas si je l'ai dit explicitement, on peut l'intégrale du courant dx mu sur les lignes d'univers des particules chargées peut s'écrire comme l'intégrale de la quadrivitesse u mu, mais qui est simplement dx mu sur ds fois ds, où donc ds indice a est le temps propre le long de la aim ligne d'univers, de la charge ea. Ça va, le chien n'a pas bougé, ça va. Donc j'ai cette intégrale sur les a mu. Ah oui, pardon, Marie-Claude. Donc maintenant, je remplace dans l'action de Fokker. Mais pour ça, je dois d'abord prouver quelque chose, qui est que dans cette action, donc dans l'action de Fokker, au départ, j'ai une action qui dépend du champ, qui est une fonctionnelle du champ et des lignes d'univers. Je dois prouver que si je remplace, ça c'est la solution des équations de Maxwell, où il n'y a pas de radiation qui part à l'infini, que je veux remplacer dans l'action. Mais pour soi, je dois prouver que quand je remplace la solution comme fonctionnelle des lignes d'univers, ça me donne une nouvelle action qui s'appelle action de Fokker ou action réduite, qui ne dépend plus que des lignes d'univers, puisque j'ai donc éliminé, hein, le champ ici a été éliminé par une expression explicite en fonction des sources. Mais je dois prouver que ça me donne bien une action pour le mouvement des particules que je connais, puisque ici j'ai écrit les équations pour le champ A, mais je n'ai pas écrit les équations du mouvement des particules. Alors la preuve est en fait très simple et très générale, c'est que si dans une action qui dépend à la fois du champ et de X, si vous calculez maintenant les équations d'Euler-Lagrange pour les particules, ces équations d'Euler-Lagrange, c'est la dérivée fonctionnelle de l'action quand je varie les particules. Bien. Mais maintenant, l'action réduite, donc je dois faire une dérivée fonctionnelle d'une action qui est elle-même fonction de deux arguments, le A qui est une solution qui a été remplacée en fonction des lignes d'univers, et puis il y a aussi une dépendance par rapport aux lignes d'univers, par exemple ce terme-là, je n'y ai pas touché, et puis le terme d'interaction, je dois encore discuter ce qui se passe. Mais ça, si vous faites le calcul explicite, d'ailleurs vous pouvez le faire pour ce cas-là, vous trouvez qu'il y a deux termes. Il y en a un qui est la dérivée fonctionnelle ordinaire, comme si, ça c'est comme une dérivée totale. Je dois différencier soit par rapport à xa, donc ça me donne la dérivée, si vous voulez, par rapport à xa, du s de départ où a ne dépendait pas de x, et puis après la différenciation, je remplace a par le a solution. Et puis, j'ai la différentielle où je dois différencier ça en tant que fonctionnelle dx. Mais ça me donne un terme supplémentaire qui va contenir la dérivée fonctionnelle de a de s par rapport à a, et puis la dérivée fonctionnelle de a par rapport de a solution par rapport dans lequel je remplace après différenciation a par a solution, et la dérivée fonctionnelle de a solution par rapport à dx. C'est comme la dérivée habituelle d'une fonction de deux variables dans laquelle vous avez remplacé une des deux variables par une fonction de l'autre. Bien. Mais qu'est-ce qu'on a résolu comme action? On a résolu comme la solution A était une solution précisément de ces équations-là, que sa dérivée fonctionnelle par rapport à A était nulle. Donc ce terme supplémentaire qui gênerait le calcul est nul. Et donc ça prouve que la dérivée fonctionnelle de l'action réduite dans laquelle je remplace le champ en fonction des sources est bien une action pour les particules. Voilà. Ça, c'est le truc fondamental qui permet à l'action de réduite de Fokker d'exister. Et donc maintenant, on peut faire le calcul, c'est-à-dire... je dois calculer cette action réduite, qui est donc l'intégrale. Il y a ce terme-là qui ne bouge pas, mais maintenant j'ai deux termes supplémentaires. J'en ai un qui est l'intégrale sur les lignes de l'univers du couplage entre A mu, mais qui est maintenant A mu solution avec ces lignes d'univers. Et puis j'ai les termes l'énergie cinétique, si vous voulez, l'action du champ lui-même, dans lequel je dois remplacer le champ par le champ solution. Alors, en fait, le calcul est très simple, et dans ce cas-là, quadratique, dans le cas de la relativité générale, on va voir que c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai écrit ce que je viens de dire en mots, que l'action réduite, comme fonctionnelle des lignes, est égale à moins la somme du terme cinétique, qui ne bouge pas, qui est le même qu'avant, et puis j'ai la partie d'interaction, qui contient deux types de termes, donc S interaction entre les particules, maintenant qui va dépendre donc
ça dépend, c'est une somme sur une seule particule, ici on va avoir une somme double sur toutes les particules. Le terme d'interaction réduite a deux types de termes. L'un, c'est l'intégrale de A mu J mu sur l'espace-temps, où J mu est donné par l'expression là-haut, et maintenant A mu va être solution. Et puis l'autre, c'est égal à ça. Hein? Vous allez voir pourquoi pour le moment, j'ai rien fait, j'ai juste réécrit les choses. 2 fois 4pi et l'intégrale de d mu à mu carré. Mais là-dedans, je dois remplacer A par la solution. Maintenant, j'intègre par partie. Ici, j'ai un terme qui est gradient nu de A mu carré. Si je l'écris, si vous voulez, pour que ça soit plus clair, si je l'écris comme ça, A mu, solution, en intégrant par partie, modulo des termes de surface. Alors, comme on est dans un cas où il n'y a pas d'énergie rayonnée à l'infini, justement, ces termes de surface, on peut bien les négliger. Vous voyez que ça, modulo le changement de signe, va me donner le d nu, je peux le passer là, d'Alembert de A mu. Donc, ce truc-là, je peux le réécrire comme étant plus 1 demi, c'est-à-dire 1 sur 8 pi avec le coefficient pi, de l'intégrale de A mu d'Alembert de A mu. OK. Mais quelle est l'équation que j'ai résolue? C'est justement d'Alembert de A mu égale moins 4 pi J mu. Donc, ce terme-là est en fait égal à moins 1 demi, c'est intégré sur l'espace-temps, moins 1 demi de D4X de A mu J mu. Autrement dit, le terme cinétique des champs est égal au facteur moins 1 demi près au terme d'interaction que j'avais. Et donc la somme du terme d'interaction entre le A mu et le J mu et le terme cinétique des champs réduit est égale à la même chose qu'avant, mais avec un facteur 1 demi qui est absolument crucial, bien sûr. Oui? Oui, je vous en prie. Le terme de fixation jauge, donc j'ai peut-être raté une étape, mais je n'ai pas compris comment vous êtes passé d'un terme qui est en d mu à mu carré à un terme qui est en d mu à mu, d mu à mu. Oui, c'est parce que le terme alors j'écris les choses en épluyant les facteurs ici. Le premier terme, le terme cinétique de Maxwell, c'est d mu à nu moins d nu à mu carré. OK. Donc c'est le rassemblement des deux. C'est le rassemblement des deux. Hein. Donc le premier, comme c'est double, c'est en fait d mu à nu à facteur 2 moins d nu à mu fois d mu à nu, parce que l'autre compte double. Et donc ce que j'ai éliminé, c'est celui des deux qui n'est pas du type. Celui-là, par intégrale par partie, est bien proportionnel à celui-là. Donc le terme que je rajoute, d nu à nu carré, élimine celui-là et laisse le premier. Voilà. Parce que sinon, ça aurait été plus compliqué de partir directement du f nu, f nu usuel pour obtenir ce résultat. J'ai dit qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, si on prend f mu nu... Une fois qu'on a la solution, une fois qu'on s'est donné la solution. Ah oui, une fois qu'on apprend la solution, comme le terme, ce terme-là, mais en fait, bon, dans le cas de Maxwell, le terme que je rajoute, il est vraiment nul. Donc j'aurais pu le faire, j'aurais pu injecter la solution. Ça n'est pas exactement vrai pour la relativité générale, parce que le terme de gauge fixing en relativité générale n'est nul que modulo les équations du mouvement. Donc la bonne logique, c'est bien de dire qu'on gauge fixe. Et puis en théorie quantique de champ, il faut vraiment gauge fixe pour avoir un propagateur qui est bien défini. On va voir ça dans une seconde. Donc, à la fin de tout ça, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu que pour l'électromagnétisme, l'action réduite ou action de Fokker, pour les lignes d'univers, mais en tant que dynamique seulement des lignes d'univers, est égale à moins somme sur les particules de MA, l'intégrale de DSA, plus 1 demi de l'intégrale D4X, de la solution A mu, je vais l'écrire même à gauche comme ça, J mu, fois la solution là, au point X. Maintenant, dans cette équation-là, je remplace A mu en fonction de son expression, qui est la fonction de Green en convolution avec la source. Mais la source a un autre point, au point Y. Et donc, ce terme, donc ça, c'est le terme d'interaction, hein, S-interaction, Fokker. Donc, S-interaction s'écrit comme plus 1 demi de l'intégrale double de D4X, D4Y de J mu de X, la fonction de Green symétrique entre X moins Y, J mu de Y. Donc,
Voilà. Alors ça, vous avez un objet qui apparaît tout le temps, qui dit vous avez une certaine source, J, qui dépend de l'espace-temps, et ici au point X, et vous prenez la valeur de la source, bon, ici au point X et ici au point Y, et entre les deux, vous avez quelque chose qui se propage, qui est la fonction de Green, qui exprime la propagation de l'interaction électromagnétique entre les deux. Vous avez un facteur 1,5, et c'est ça le terme d'interaction. Bien. Et c'est ça, si je remplace maintenant explicitement le fait que les termes de source n'existent que sur les lignes d'univers, hein, parce que j'ai par exemple entre deux charges A et B, J mu est une somme sur tous les A de choses qui sont nulles là. Donc dans cette somme, j'ai une somme double que je vais écrire. J'ai toujours plus 1,5, somme sur A et somme sur B, d'une intégrale. Maintenant, si je remplace J mu, dont j'avais l'expression comme là-haut, comme intégrale de ds u mu, donc le dx mu delta à 4 dimensions. Encore une fois, les deltas à 4 dimensions sont tués, enfin sont faciles à faire. Et donc j'ai une intégrale simplement sur les temps propres des deux lignes d'univers, de SA, SB, de EA, je l'écris explicitement, UA mu, G symétrique de XA moins XB, EB, UB, mu. Donc ça, c'est le terme d'interaction. Et c'est pour ces termes d'interaction que Feynman, donc c'était dans le calcul de Fokker, a introduit les diagrammes. Vous avez une intégrale, une fois que vous avez la somme sur les particules, qui est d'un point XA à ce point XB. Vous allez intégrer sur tous ces points avec le poids du... le long de ces points, DSA, DSB. Et puis entre les deux, vous avez la fonction de Green. Donc vous représentez... je suis en train de calculer donc un terme dans l'action à n corps, ici à deux corps. Ce terme est un nombre qui est une fonctionnelle des lignes d'univers, et cette fonctionnelle, elle est donnée par un coefficient 1,5 devant, il y a un signe plus, j'ai une somme sur toutes les paires de lignes d'univers, et je dois intégrer sur chaque ligne d'univers. Et qu'est-ce que j'ai à gauche et à droite? Alors entre les deux, j'ai ici la fonction de Green parce que j'ai résolu les équations de Maxwell. Donc cette fonction de Green, en fait, elle est apparue parce que c'était l'inverse du terme cinétique ici. Donc c'est ce qu'on appelle le propagateur en général. On va faire ça pour la gravitation. Et à chaque extrémité, ici j'avais la charge, mais la charge couplée au courant, puisque c'était E mu A. Et ici j'ai la charge du point B, mais avec le courant au point, à ce point-là. Et j'ai une contraction entre les deux. Cette contraction était liée à la contraction entre les indices nus maintenant, c'est-à-dire ici. Le fait que dans l'action, j'avais A nu, A nu, D mu, A nu, D mu, A nu. Bien. Et ça, c'est la fonction de Green. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Donc, cette interaction, interaction vraiment, c'est une action d'interaction. Dans cette somme, il y a deux types de termes. Alors, vous avez, c'est une somme double. A priori, dans cette somme double, vous avez aussi des termes du type AA, puisqu'il n'y a pas de restriction que A doit être différent de B. Donc ces termes-là donnent lieu à un diagramme de ce type-là, c'est-à-dire c'est la même intégrale que j'ai écrite, mais vous faites A égale à B, donc vous prenez ici le EA UMU au point A, et puis ici vous prenez EA, c'est le même, mais c'est un autre point S', et alors que là c'est au point S, et vous prenez la fonction de Green allant de ce point-là à ce point-là, et vous êtes censé faire l'intégrale. C'est ce qu'on appelle des termes à une boucle en théorie quantique des champs, mais ils apparaissent directement dans le calcul classique. Alors, on en discutera après. Ces termes-là peuvent être mis à zéro. Ils sont infinis, en fait, comme on va voir. Ils renormalisent la masse. Et puis, vous avez les termes vraiment d'interaction entre A et B, c'est-à-dire A est différent de B, où j'ai déjà dessiné la chose. Vous avez ici... EU, et puis ici EU, mais ça c'est au point B, et ça c'est au point A. Bien. Donc maintenant, vous avez deux types de termes dans cette action de Fokker. Maintenant, il faut les calculer explicitement, parce que ça c'est le résultat de Fokker. Maintenant, pour discuter des tests de la relativité générale, on va voir comment, en partant de cette action de Fokker, qui est une fonctionnelle de deux lignes, qui est une fonctionnelle qui est non locale, c'est-à-dire cette action, elle dépend pas... Contrairement au potentiel de Coulomb, le potentiel de Coulomb serait quelque chose qui dit qu'il y a une interaction entre un point X
et une charge en un point EA, une charge B, qui est instantanée. Donc au même instant T, ça serait la distance entre les deux. Bien. Alors que là, nous avons quelque chose qui contient la fonction de Green symétrique et donc qui contient un terme avancé, là, et puis un terme retardé. Comment est-ce qu'on peut déduire de ça un Lagrangien explicite? Pour avoir un Lagrangien explicite, il faut utiliser des développements et on va voir comment ces développements s'introduisent. Alors, je vais effacer ça, par exemple. Regardons de nouveau la fonction de Green. Oui. Je l'ai déjà écrite là, mais je vais la réécrire explicitement. La fonction de Green symétrique entre les points xA et xB, qui est d'abord fonction que de la différence des deux. Donc j'ai dit, quand c égale à 1, c'est cette expression vraiment très simple, c'est la fonction delta à une dimension du carré xA moins xB. Bien. Au fait, en théorie quantique des champs, la fonction symétrique dont on parle ici, c'est la partie réelle de l'intégrale de Feynman, de la fonction de Green de Feynman. La fonction de Green de Feynman est aussi symétrique entre les deux points, mais elle a une partie réelle et une partie imaginaire. La partie réelle donne, dans l'action, l'interaction dont je parle, la partie imaginaire donne autre chose en théorie quantique des champs. Mais à la limite classique, on retrouve ça. Donc j'ai dit que ça, c'était 1/2 de delta de TA moins TB moins xA moins xB sur C. Là, je remets divisé par xA moins xB. Là, je vois que je vais avoir du potentiel de Coulomb caché derrière, bien sûr. Mais on veut retrouver les corrections au potentiel de Coulomb dues à la propagation à la vitesse de la lumière de l'interaction électromagnétique. Sur C, divisé par xA moins xB. Bien. Okay. Ici, j'ai laissé le paramètre 1 sur C. Parce que physiquement, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai deux particules qui bougent à des vitesses faibles par rapport à la vitesse de la lumière dans un certain référentiel de Lorentz, et si dans ce référentiel de Lorentz, je regarde cette action, eh bien, le terme de l'action qui agit sur la première particule A à l'instant T, il va y avoir deux types de contributions. Une qui vient du passé et une qui vient du futur, mais il y a eu un retard entre les deux qui est la distance RAB divisée par C. Ça a mis le temps RAB sur C. Si mes objets bougent assez lentement par rapport à la vitesse de lumière, ce temps va être faible par rapport à une période typique du système. Et donc je vais pouvoir développer en puissance de 1 sur C, formellement. Comment est-ce qu'on fait? Comme vous avez ça, vous développez formellement la puissance de 1 sur C et vous regardez ce que ça donne. Donc, je vais développer les delta comme si c'était une fonction. Bon, ça introduit les dérivés de la distribution delta, mais tout ça est bien défini. Quand vous appliquez ça sur une fonction test, bien sûr, tout ça trivialement défini. Il suffit que la fonction test soit différenciable. Donc, à l'ordre 0, vous avez ici delta TA moins B, delta 1, il y avait 1/2. Donc, à l'ordre 0, vous trouvez que c'est delta de TA moins TB, simplement divisé par la distance xA moins xB. Et si vous gardiez que ce terme-là à l'ordre 0 et que vous le remplacez dans cette intégrale, vous voyez que vous aurez une intégrale, vous voyez le potentiel de Coulomb sortir et vous voyez l'interaction instantanée parce que vous avez une double intégrale sur TA, TB, mais vous avez une fonction delta qui vous dit TA est égal à TB. Donc au lieu d'avoir une double intégrale sur les deux lignes du R, vous avez une seule intégrale commune par rapport au temps. Mais il y a des termes derrière. Alors d'abord, il y a des termes du premier ordre en 1 sur C. Mais comme vous voyez qu'ici, c'est une fonction symétrique, plus C par moins C, c'est une fonction paire de 1 sur C. Donc il n'y aura pas de terme odd, impair, en 1 sur C. Et donc la première correction sera du deuxième ordre. Et donc sera plus 1 sur C2, 1/2 de la dérivée seconde de la fonction delta par rapport à son argument, TA moins TB, ou TA dans ce cas-là, fois delta de TA moins TB, fois quoi? Fois, le 1/2 ici ne vient pas du 1/2 ici, mais il vient du 1/2 de Taylor. Quand je développe une fonction Taylor au deuxième ordre, j'ai 1/2 de x2 fois la dérivée seconde, c'est ce 1/2-là.
Donc c'est la dérivée. Donc je vais avoir x moins a moins xb au carré, mais divisé par xa moins xb. Donc ici, j'ai xa moins xb à la puissance plus 1. Bien. Et puis après, j'ai des termes de 1 sur c4. Alors ce premier terme ici, qui est la dérivée seconde de delta, je peux le réécrire en changeant le signe comme étant la dérivée à la fois par l'argument TA et par l'argument TB, mais comme il y a un signe moins devant celui-là, c'est juste pour le rendre plus symétrique, ça introduit un signe moins. Et maintenant, je dois remplacer ça dans l'action. Alors, si vous remplacez tout dans l'action, je vais regarder ce que donnent ces termes eux-mêmes. Comme correction relativiste, je vais juste esquisser. Donc, quand vous regardez ce terme-là, il va vous donner une intégrale sur les deux lignes d'univers. Il va y avoir dTa, dTb. Et puis, vous avez le xa moins... xa est une fonction de Ta. Xb est une fonction de Tb, parce que je suis le long de ces deux lignes d'univers. Et ici, j'ai cette dérivée de delta avec deux dérivées devant. Mais en intégrant, comme j'ai une intégrale sur les lignes Ta et Tb, je peux intégrer par partie aussi. Donc, au lieu d'avoir la dérivée, comme toujours, c'est l'action d'une dérivée de delta, vous faites agir sur la fonction qui est à droite. Donc ici, je peux écrire simplement delta de Ta moins Tb, et puis j'ai la dérivée seconde par rapport à Ta et par rapport à Tb, agissant maintenant là-dessus. Bien. Et donc, vous voyez que ce terme-là donne aussi un terme d'interaction instantanée, il y a delta Ta moins Tb, mais il apparaît une correction au potentiel de Coulomb, qui est la dérivée mixte par rapport à Ta, Tb, de ça. Et ça, vous pouvez le calculer, ça fait intervenir les vitesses. Bien. En fait, ce terme-là donne l'intégrale de dTa, dTb, delta de Ta moins Tb, la vitesse Va dot Vb, donc ça au point Ta, ça au point... En fait, c'est en fait un seul des... Pourquoi j'écris ça? C'est pas correct, ça? Oui, non, justement, ça n'est pas correct. Vous avez ce terme-là, quand vous différenciez ça, apparaît... le vecteur unité NAB, qui est XA moins XB sur le module. Il faut que vous différenciez la distance par rapport au point origine et point finaux qui dépendent du temps. Donc il apparaît les vitesses. Et donc vous avez une combinaison ici du type NAB VA NAB VB plus d'autres termes en VA VB. Je vous le laisse faire le calcul. Mais vous avez d'autres termes dans l'action de Fokker, parce que je disais, dans l'action de Fokker, ça, j'ai regardé le développement de la fonction Green. Mais dans l'interaction relativiste, vous aviez ici la 4 vitesses en ce point-là, UMU, et la 4 vitesses en ce point-là. Quand vous utilisez comme paramétrage dTa, dTb, on a vu tout à l'heure que, ici, si au lieu d'utiliser S, j'utilise T, ici, au lieu d'avoir la 4 vitesses, j'aurai simplement dx mu sur dt a, et ici, j'aurai dx b mu sur dt b, okay, puisque c'est de façon homogène, du premier ordre dans chaque vitesse. Et donc, cet objet-là, c'est un quadrivecteur. Ici, j'ai la contraction de deux quadrivecteurs, dont les premières composantes valent 1, et dont la deuxième composante vaut, dans un cas, la vitesse. Donc, c'est la contraction de ce quadrivecteur-là avec le quadrivecteur dont la première composante vaut 1 et l'autre vitesse. Et donc, ça, c'est égal à moins 1 plus VA point VB. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs types de corrections à l'ordre 1 sur C2, des corrections venant du propagateur et des corrections venant du caractère vectoriel du champ de Maxwell. À la fin de tout ça, vous obtenez ce qu'ils appellent le Lagrangien de Darwin. Alors, le Lagrangien... En fait, ce qui est amusant là-dedans, c'est que le Lagrangien de Darwin a été obtenu en 1922, donc avant Fokker, parce que c'était juste l'approximation en V2 sur C2 à la correction de Coulomb. Mais ce que je vais faire après, qui est le Lagrangien dit souvent de Fichtenholz ou Einstein-Infeld-Hoffmann, mais qui a en fait été obtenu par Lorentz et Drost en 1917, a été obtenu avant tout ça, c'est-à-dire les gens ont dérivé les corrections relativistes à la gravitation avant... avant tout ça. Mais en fait, pour mieux voir l'origine de ces termes-là, je suis parti de l'électromagnétisme, qui est aussi plus simple techniquement. Quand vous faites le calcul, vous trouvez que, je vais l'écrire là, que le Lagrangien, dit de Darwin, 1922, donc Lagrangien, ça veut dire que j'écris l'action
comme une intégrale. J'écris l'action dans un référentiel de Lorentz. Donc je choisis un référentiel avec temps et espace, et dans ce référentiel, je regarde le mouvement des lignes d'univers, chaque ligne d'univers étant repérée par une position vectorielle en fonction du temps et avec une vitesse, vitesse ordinaire, c'est-à-dire dx sur dt pour ma ligne d'univers. Donc vous trouvez une action qui est, à cause des fonctions delta t1 moins t2, qui s'écrit comme l'intégrale sur dt dans Lagrangien, qui dépend des positions et des vitesses, bien, à cet ordre-là. Et vous trouvez que ce Lagrangien, il a deux types de termes. Il y a un premier terme qui vient du terme cinétique des particules, j'espère que je l'ai laissé, donc qui est moins, c'est celui-là. Mais si je l'écris dans un référentiel de Lorentz, ce terme moins MA, c'est le temps propre, comme vous savez, je suppose, c'est somme sur les particules de moins MA, C au carré maintenant, parce qu'il reste le temps propre qui est un facteur C, racine carrée de 1 moins VA carré sur C2. Donc là, c'est l'action exacte relativiste pour une particule isolée. Et puis, il y a le terme d'interaction dans ce Lagrangien qui se trouve finalement égal à moins 1 demi de somme de A. Alors, pourquoi moins? Parce que les signes vont être importants ici. Pourquoi moins? Ici, j'avais un signe plus. Mais ce signe plus, et le signe plus venait des termes dans l'énergie cinétique, mais j'avais une contraction entre UMU au point A, la quadrivitesse ici et la quadrivitesse ici. Mais le produit invariant de deux quadrivitesses, dans la signature où je suis, ça contient un signe moins. C'est moins 1, essentiellement. C'est égal à moins 1 plus VAVB. Donc c'est pour ça qu'il y a un signe moins. Voilà pourquoi votre fille est muette. Ici, je ne regarde que les termes pour, on discutera les termes quand EA est égal à EB. De RAB ou RAB désigne, hein, je note pour éviter de tout écrire RAB, c'est XA moins XB, c'est la distance à l'instant, au même instant T. Maintenant, je suis dans un référentiel de Lorentz, à l'instant T, j'ai deux positions, RAB est la distance entre les deux. Ça, c'est le potentiel de Coulomb. J'ai un terme 1. Oui, alors, moins, je vous rappelle, une action, un Lagrangien, c'est le terme cinétique moins les termes potentiels. Donc ici, le terme potentiel est égal à plus EA, EB sur RB, qui est bien le potentiel de Coulomb. C'est un potentiel répulsif quand j'ai deux charges de même signe. Bien. Un, moins, et puis les termes. Dont je viens d'esquisser le calcul. Et je vous engage à faire le calcul pour voir que ça marche bien, et que c'est très simple. Je veux dire, une fois que vous êtes habitué avec la technologie mise en place, c'est très simple, plus des termes O de 1 sur C4. Donc j'ai dit qu'il y a des termes qui viennent de l'action, qui venaient de la dérivée seconde de delta et donc la dérivée seconde de cet objet-là, ce qui fait intervenir à la fois un terme de ce type-là et un terme de ce type-là. Et puis, vous avez l'autre terme qui vient directement de ça, où ici, il y avait le coefficient 1 par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'ici, le coefficient 1,5, c'est 1,2, ça, est la somme d'un terme qui vient de là et un terme qui vient de là. Bien. Alors, juste une petite remarque. Si vous essayez de continuer le calcul à l'ordre suivant, alors il y a une petite surprise, qui est qu'à cet ordre-là, en intégrant par partie, il faut développer ça aux ordres suivants. Donc il apparaîtra à la dérivée quatrième de la fonction delta. Et puis là, vous pouvez essayer d'intégrer par partie en repoussant les dérivés de l'autre côté. Mais quand vous faites ça, ici, on avait pu, en écrivant ça sous cette forme-là, ce qui est déjà un truc, en fait, parce que si vous ne l'écrivez pas comme ça, il faut faire une intégration par partie, exprimer les choses uniquement en fonction de position et de vitesse. Quand vous incluez le terme suivant, vous voyez que le Lagrangien ne dépend plus seulement des positions et des vitesses, mais aux ordres suivants, il dépend des dérivés des vitesses, c'est-à-dire non seulement de x et de x point, mais de x point point. Donc vous avez un Lagrangien généralisé, dit d'Ostrogradsky. Et puis ça, c'est à l'ordre suivant. Si vous allez à tous les ordres, vous avez un Lagrangien qui a un nombre infini de dérivés. Mais c'est normal, parce que la vraie action était non locale. Donc ici, on est en train de représenter une action non locale, mais légèrement délocalisée dans le temps, par quelque chose qui a l'air local dans le temps, mais qui contient des dérivés d'ordre de plus en plus élevé, selon l'approximation où vous allez. Mais, et ça, à l'époque où, avec Nathalie, on travaillait là-dessus, on avait été surpris de voir que même dans le Landau-Lifshitz, il y avait une erreur, en fait, sur ce point-là. Et on avait compris qu'en relativité générale, en revanche,
à l'approximation suivante, il fallait bien avoir les accélérations et aussi dans l'électromagnétisme ordinaire. Bien. Depuis, ça a été corrigé dans les éditions de Landau-Lifshitz. Maintenant, on passe au cas gravitationnel. Donc ça, ah ben on va faire, ça tombe bien, on va faire un petit break avant de passer au cas gravitationnel. Alors, on va maintenant considérer le cas de la relativité générale, à la même approximation où on a fait Fokker. Donc, ce que je vais, même si ce que le niveau dont je vais parler, qui est les premières corrections en 1 sur C2, est connu depuis très longtemps, l'application en fait de ces méthodes diagrammatiques a été développée par Gilles Esposito-Farèse et moi-même dans les années 90 et renouvelée d'ailleurs maintenant, ça devient une autre industrie. Alors, pour la gravitation, on veut avoir l'analogue avec les corrections relativistes en V2 sur C2 du potentiel newtonien, donc faire la même chose que ce que j'ai fait pour l'électromagnétisme. Donc, de quoi parle-t-on ? On part d'une action pour la gravitation. On va avoir le problème du gauge fixing que l'on va voir. Et puis, on a l'action pour la matière. On va prendre des lignes d'univers. Donc, le point de départ, on va prendre plusieurs lignes d'univers, des particules A, B, C. Et au départ, on a un système double qui est à la fois les lignes d'univers et le champ. Et puis, on veut arriver à un système où, en fait, le champ est éliminé et donc il y a des interactions entre ces particules, mais pas de degré de liberté propre au champ. Il y a comme degré de liberté dans l'action, il n'y aura que les lignes d'univers. Alors, quelle est l'action de la gravitation ? La première forme, celle que j'ai déjà expliquée de l'action pour la gravitation, c'est la forme dite de Einstein-Hilbert, écrite pour la première fois par Hilbert en novembre 1915, qui est très élégante, qui est l'intégrale du scalaire le plus simple que vous pouvez faire avec le tenseur de Riemann-Christoffel, c'est-à-dire le scalaire de courbure, R, et l'élément de volume, racine de G. Mais ce n'est pas toujours le plus commode, parce que ce terme-là contient en tant qu'action des dérivées secondes de la métrique. Et en fait, Einstein, à la même époque, travaillait avec des actions qui ne contenaient que les dérivées premières de la métrique. Mais en fait, ce Lagrangien, on peut le transformer en un Lagrangien dit d'Einstein, une action dite d'Einstein qui ne contient que les dérivées premières de la métrique. Comment vous faites ? Je vous rappelle que Hermenu contient des termes en d gamma et gamma gamma. J'ai écrit que le premier terme, le deuxième, est obtenu en bougeant certains indices. Mais maintenant, vous pouvez intégrer par partie. Les termes en gamma gamma, vous les laissez comme ils sont parce qu'ils ne contiennent que des dérivées premières de la métrique. Pardon ? Pourquoi vous mettez 1 sur 16 pi déjà ? Parce que c'est le cas. J'ai déjà... C'est 1 sur 16 pi. On va voir. D'ailleurs, le calcul va montrer pourquoi c'est bien 1 sur 16. Je pourrais mettre un coefficient arbitraire. On va voir pourquoi c'est 1 sur 16 pi g. Où g, c'est g newton ici. Ce n'est pas la fonction de Green. Hein. Donc, si vous intégrez par partie des gamma, voyez, vous le faites passer les dérivés à gauche, vous avez des dérivées premières de la métrique. Mais les gamma s'expriment en fonction des dérivées premières de la métrique. Donc, vous pouvez réexprimer les dérivées premières de la métrique en fonction des gamma. Quand vous faites ça, vous avez le même mini-miracle qui se passait pour là, c'est-à-dire vous obtenez les mêmes termes que vous avez déjà, mais avec un coefficient simple qui est moins 2. Et du coup, les nouveaux termes gamma-gamma, c'est les mêmes que ceux que vous aviez ici, mais comme il y a un coefficient moins 2, ça change le signe simplement des termes que vous aviez au départ. Et donc, ça donne l'action d'Einstein, qui cette fois a un signe moins. Et dedans, vous avez les termes gamma-gamma tels qu'ils apparaissaient dans R lui-même. Donc là, j'ai mis le signe moins devant. Donc, ça donne ça. Voilà. Mais ça, c'est une action qui est donc, si vous l'écrivez explicitement, elle est assez compliquée. Il y a racine de G. Vous avez des G avec des indices en haut, c'est-à-dire matrice inverse des G, en bas, il y en a trois qui apparaissent, et puis vous êtes quadratique dans les dérivées premières des G en bas. Et là, vous avez beaucoup de contractions possibles d'indices, et toutes les contractions arrivent plus ou moins. C'est-à-dire, si vous écrivez explicitement ça, vous avez déjà une dizaine de termes, enfin, vous comptez vous-même. Mais on va traiter ça par théorie des perturbations, c'est-à-dire, on va considérer que, pour pouvoir faire le calcul, que nous sommes au voisinage de l'espace plat, que j'ai munu au point X,
diffère de la métrique plate par une quantité qui est traitée formellement comme étant petite, et on va développer en puissance de H. On va voir dans le calcul que H mu nu va être résolu en fonction des sources, et donc est d'ordre de la constante de couplage G, et en fait est d'ordre G sur C2, et on va traiter en puissance. Donc déjà, si vous faites ici, vous remplacez tout ça, vous allez avoir des termes le plus bas qui sont en dH carré. Bien. Donc ça commence à ressembler à l'électromagnétisme. Mais si maintenant, l'autre analogie avec l'électromagnétisme, c'est-à-dire, vous prenez cette action d'Einstein, et vous faites une dérivée fonctionnelle par rapport à H minu pour en déduire les équations du mouvement de H. Mais comme on a fait le calcul déjà exact, les équations du mouvement pour H, les équations qui déterminent H, ce sont les équations d'Einstein. Donc on sait déjà la tête qu'elles ont. Ces équations peuvent s'écrire de plusieurs façons, mais par exemple, une façon, c'est de dire que R minu est égal à 8 pi g fois T mu nu moins 1 sur la dimension d'espace-temps moins 2 fois la trace G mu nu. Et donc, quand vous dérivez, vous faites la dérivée variationnelle de ça, vous allez avoir des équations dans lesquelles, dans le membre de gauche, vous allez avoir cet objet-là à l'ordre linéarisé. Parce que ici, je suis quadratique. Si je prends une dérivée fonctionnelle, je vais être linéaire. Donc, à l'approximation linéarisée, les équations d'Einstein contiennent la version linéarisée du tenseur de Ricci, qui ne contient, comme le tenseur de Ricci, c'est des gamma plus gamma gamma. Ici, je n'ai besoin que de garder les termes en d gamma. Les gamma gamma sont déjà quadratiques. Mais je dois maintenant reporter là-dedans quel est le gamma, quels sont les gamma en fonction de g. Et cela, c'est 1 demi de g en haut fois des dérivés de g. À l'approximation linéaire, ces gamma-là, je peux le g en haut, il suffit que je le remplace par eta. Et donc, j'ai ici la fameuse somme des trois termes de dérivés de g, mais comme eta a des dérivés nuls, je n'ai que les dérivés de h, d mu nu lambda plus d nu h mu lambda moins d lambda de h mu nu. Bien. Et donc, je peux reporter ça là-dedans, et donc j'ai l'expression explicite du tenseur de Ricci linéarisé, multiplié par 2 parce qu'il y a un demi qui est là à droite, donc il y a un demi en facteur, je le mets à gauche. Et je trouve que ça vaut moins d'Alembert de H mu nu, moins d mu nu de la trace H sur ces deux indices internes, plus deux autres termes. Sigma sigma nu plus d nu sigma sigma mu. Bien. Et en fait, cette structure-là, elle est un peu similaire à ce que j'avais pour les équations de Maxwell, où il y avait aussi deux termes. Pourquoi ? Dans les équations de Maxwell, j'avais deux termes. J'avais pas seulement le d'Alembertien, j'avais un autre terme. C'est parce que le membre de gauche des équations de Maxwell était invariant sous une transformation de jauge, qui était A mu donne A mu plus le gradient d'une fonction. Mais les équations d'Einstein sont invariants sous quelque chose de beaucoup plus gros. Ils sont invariants sous tous les difféomorphismes. Et à l'approximation linéarisée, si vous faites un changement de coordonnées x prime mu égale x mu au premier ordre moins xi mu, petite transformation de coordonnées, vous trouvez que h mu nu change comme étant h mu nu plus d mu xi nu plus d nu xi mu, où les indices ici sont montés et descendus par la métrique plate de base. Et donc ça, c'est l'analogue avec deux indices de l'invariance de jauge de Maxwell. Pour Maxwell, hein, l'invariance de jauge, c'était a' mu égale a mu plus le gradient d'un seul scalaire. Okay? Ici, j'ai le gradient symétrisé d'un vecteur. Et donc, à cause de ça, vous savez que vous ne pouvez pas inverser ce propagateur-là. Vous ne pouvez pas trouver une solution unique de ces équations-là, puisque, étant donné une solution, je peux toujours faire cette transformation de jauge. Et donc, la même chose qu'on a faite pour Maxwell, qui est de dire on va fixer la jauge. On doit le faire aussi pour Einstein, pour pouvoir résoudre explicitement les choses. Alors, quel est l'analogue de la jauge de Lorentz? L'analogue de la jauge de Lorentz, qui, je vous rappelle, était d nu de A nu égale à 0, c'est quelque chose qui a été trouvé, en fait, très rapidement. Einstein l'a utilisé tout de suite en 1916, puis ça a beaucoup de noms, cette jauge. Elle s'appelle jauge de Dedondère, elle s'appelle jauge harmonique, s'appelle jauge, je ne sais plus quoi, thermique, isotherme, autrefois, wave gauge, wave coordinates maintenant, ou jauge harmonique. Bon, souvent on dit harmonique pour une raison que je n'ai pas le temps d'expliquer,
Donc cette condition qui ressemble à la condition de Lorentz, ça n'est pas simplement que d nu de h mu nu égale à 0. Pourquoi? Parce que, voyez les termes ici. Ici, vous avez un terme qui est, qui est le gradient de d nu sigma nu, et là, vous avez le gradient d nu sigma mu. Donc si vous mettez ça égal à 0, vous annulez ces deux termes, mais vous n'annulez pas celui-là. En revanche, si vous rajoutez ça égal à 0, c'est-à-dire si vous imposez cette condition-là, donc appelons ça condition de jauge, si vous voulez, harmonique, donc h mu égal à ça, ça c'est une condition, voyez que vous supprimez tous ces termes-là. Et donc, dans cette jauge-là, c'est-à-dire dans la jauge harmonique, avec h égal à 0, sous cette condition-là, le tenseur linéarisé de Ricci, c'est simplement moins d'alembertien de Hamu. Donc, vous pouvez faire la même chose que j'expliquais avant pour l'action de Maxwell. Vous rajoutez un terme de gauge fixing, ici, de telle sorte qu'il va donner les équations réduites harmoniques. Ce terme de gauge fixing, alors sous forme exacte, ça c'est l'approximation linéarisée de la condition de Schrödinger. Vous pouvez en définir une fonction exacte, une forme exacte, qui est que h mu est égal, il y a plusieurs façons de l'écrire, rho sigma mu. Vous prenez, vous avez les coefficients de Christoffel à trois indices, vous contractez les deux du bas par un g, ça vous donne un objet avec un indice, et cette condition-là, c'est la condition de jauge. Le terme de fixation de jauge que vous devez rajouter, c'est un terme qui est en h carré. Donc ici, les indices sont en haut, donc vous prenez h mu, h nu, vous prenez g mu nu en bas, vous prenez racine de g, vous mettez un coefficient devant, hop, vous rajoutez ça là-dedans. Bien. Et là, vous avez de nouvelles équations d'Einstein modifiées qui sont dans laquelle la condition de jauge a été imposée. Et si vous écrivez maintenant l'action d'Einstein réduite, donc l'action gravitationnelle sous la forme d'Einstein, c'est-à-dire celle-là gamma gamma qui contenait les dh carrés, mais réduite par ces conditions-là, elle va avoir la même forme que ce que j'avais pour Maxwell. Je vous rappelle, c'était moins 1/2 de 1 sur 4 pi de d mu à nu, d mu à nu. Et ici, vous trouvez essentiellement la même chose. Vous trouvez moins, et on va voir que ce signe moins est important. Alors, de façon un peu surprenante, le coefficient devant s'est multiplié en 64 du coefficient de départ. Et vous avez l'intégrale de d4x de ce que vous attendez, d lambda h mu nu, d lambda h mu nu, mais il y a un terme supplémentaire qui est lié à ce moins 1/2 là, qui est lié au fameux moins 1/2 dans le tenseur d'Einstein, qui est comme ça. Bien. Alors, ça c'est l'action au niveau quadratique dans le champ, et puis derrière vous avez des termes qui sont cubiques dans le champ, et puis des termes quartiques dans le champ. Vous avez un nombre, quand vous développez en puissance de h, vous n'êtes plus une théorie linéaire, vous avez une théorie non linéaire avec un nombre infini de termes derrière. Enfin, comme Bryce DeWitt nous a appris, si vous utilisez certaines variables gravitationnelles très particulières, ça s'arrête au 13e ordre ou quelque chose comme ça. Mais enfin, ce n'est pas très utile de dire ça. Donc ça, c'est l'action gravitationnelle, donc l'analogue de celle là-bas. Regardons maintenant la partie de l'interaction avec la matière. Dans le cas de Maxwell, l'interaction avec la matière, il y avait le terme cinétique et puis le terme d'interaction A mu J mu entre le champ A et le courant. Dans le cas gravitationnel, ça se présente de façon différente, mais on va voir que c'est à peu près la même chose. Le terme d'interaction de la matière, une fonctionnelle des lignes d'univers, et puis de G mu nu, qui est simplement, je fais C égal à 1, donc c'est l'intégrale de moins MA du temps propre, le long des lignes d'univers, c'est-à-dire moins somme sur 1 de MA de l'intégrale de racine carrée de moins G mu nu au point XA de D dxa, dxa, mu nu, par rapport à n'importe quel paramètre, dp. Ça, c'est ce qui contient à la fois le terme cinétique des particules en relativité restreinte, mais ça contient aussi l'interaction avec la gravitation par le principe d'équivalence. Mais je remplace là-dedans g mu nu égale état mu nu plus h mu nu, pour voir, donc pour le moment c'est exact, hein. Donc si ici j'ai état mu nu plus h mu nu au point xa, je n'ai pas fait d'approximation, mais maintenant je peux développer en disant h est petit.
Comme ça, le premier terme que j'obtiendrai, celui est là, c'est le terme cinétique habituel en relativité restreinte. Et puis, j'ai un deuxième terme. Donc, ça, c'est somme de MA intégrale de ds à 0, où 0 veut dire je garde que la relativité restreinte. Et puis, j'ai un terme linéaire en H, qui, j'ai un demi parce que j'ai une racine carrée, donc le développement d'une racine carrée me donne un demi. J'ai un signe moins devant et un signe moins à l'intérieur qui s'annule, et donc j'ai un plus un demi. Quand Paoli donnait des conférences, chaque fois qu'il écrivait un signe, il s'arrêtait 10 minutes pour bien réfléchir si le signe était moins. Les signes sont très importants en physique, donc il faut keep track de savoir pourquoi il y a toujours un signe plus ou un signe moins à gauche et à droite. Donc l'intégrale de MA, je développe la racine carrée, il va rester le temps propre, j'ai h mu nu au point xa, et puis j'ai, quand vous faites le calcul, nu sur ds0a. Ici, ds0a, ça veut dire le temps propre calculé quand h égale à 0. Temps propre de la relativité restreinte, mais en gardant les racines carrées de 1 moins v2 sur c2. Donc ici, j'ai gardé tous les termes. Donc ça, ce terme-là, est l'analogue, ça c'est l'analogue de l'intégrale de j mu à mu, l'interaction entre le champ et le j mu. Et vous voyez, effectivement, il s'écrit comme 1 demi de l'intégrale d4x de h mu nu au point x. L'analogue de j mu, c'est le tenseur d'énergie-impulsion. C'est comme ça qu'on l'a défini. Et on voit que le tenseur d'énergie-impulsion plusieurs particules, c'est T0 mu nu, c'est la somme de MA de l'intégrale de ce que je vois là, ds, et ce que je vois ici, la quadrivitesse, calculée par rapport ici, on pourrait le calculer exactement par rapport au temps de courbe, mais ici je l'ai fait au premier ordre, fois une distribution de Dirac qui dit que ce tenseur d'énergie-impulsion, comme avant, c'est un tenseur d'énergie-impulsion qui est nul partout sauf le long des lignes. C'est une distribution qui est localisée sur les lignes d'univers, mais le long de toutes les lignes d'univers. Et qui, donc, ça c'est l'analogue exactement de ce que l'on avait avant. Avant, le courant contenait, c'était les intégrales sur les lignes, il y avait la charge et puis il y avait la quadrivitesse, simplement, et puis une fonction delta. Parce que c'était un champ vectoriel, donc sa source a un indice, c'est quelque chose de vectoriel, et c'était U mu. Ici, la source est tensorielle, donc vous avez deux indices, donc vous avez U mu, U nu, avec devant un coefficient M et au lieu de la charge. Donc vous voyez, il y a une analogie claire avec l'électromagnétisme. Et du coup, maintenant, je peux faire le même calcul qu'avant, qui est le calcul de l'action de Fokker. Donc j'esquisse de quoi il s'agit. Je pars de l'action totale, qui contient la somme des termes cinétiques, c'est-à-dire les longueurs en relativité restreinte des lignes d'univers, plus les termes de champ. Alors j'ai dit les termes de champ, ici j'ai ces termes quadratiques en H. J'écris juste des h carrés. Mais derrière, j'ai des termes en h, dh, dh, plus d'autres termes. Bien. Et puis, j'ai le couplage à la matière. Donc, j'ai somme de MA. Devant tous les couplages à matière, il va y avoir la masse. Parce que si la masse est nulle, ça ne se coupe pas à la matière. Donc, il y a forcément un couplage avec la masse. Et puis, à l'ordre le plus simple, ce couplage à la matière, j'ai UA mu, UA nu, la quadrivitesse à l'ordre 0, pardon, UA mu, ça c'est reste exact. Et ici j'ai H mu nu, c'est ce couplage-là, et puis après j'ai des termes d'ordre H2. J'ai développé ça en puissance de H, mais j'ai gardé que le premier terme en linéaire H, il y a des termes en H2. Donc j'ai des termes aussi de ce type-là. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, comme ici pour électromagnétisme, j'ai des équations, j'ai un terme cinétique pour H qui maintenant est inversible. Et si vous voulez, je peux écrire le type d'équation que j'ai pour H, c'est d'Alembert de H mu nu. Alors, on va introduire une petite notation. H bar mu nu, c'est H mu nu moins 1 demi de H, la trace
c'est-à-dire H sigma sigma, si vous voulez, est à mu nu. C'est juste une notation, parce que si j'écris comme ça, j'ai vu que le Ricci linéarisé, c'était d'Alembert de H mu nu. Si je prends le tenseur d'Einstein linéarisé, R mu nu moins 1 demi, hein, je vais avoir d'Alembert de H bar mu nu. Donc, si j'écris les équations d'Einstein avec dans le membre de droite T mu nu, et non pas T mu nu moins 1 sur D moins 2, j'aurai dans le membre de gauche H bar mu nu. Et dans le membre de droite, j'ai moins 16 pi G fois le T mu nu à l'ordre 0, j'aurais dû oui, qui est là, 0, celui-là, plus des corrections qui sont proportionnelles à celui-là, mais qui contiennent H, et puis après d'autres termes H2, etc. Et donc, dans le cas d'avant, j'avais besoin de la fonction de Green, okay, qui est donc, je veux dire, j'inverse cette équation-là, j'écris H mu nu en tant que convolution par rapport à la source T mu nu. Donc, pour ça, quelle est la fonction de Green? Il faut que je calcule l'inverse de cet opérateur-là. Cet opérateur-là, il contient un d'Alembert, mais comme H mu nu se couple à la source T, par rapport à la variable H mu nu, à part d'Alembert, j'ai ce terme-là, mais j'ai le moins 1,5 qui apparaît aussi. Donc ici, j'ai quelque chose qui est delta mu, delta nu, alpha, bêta, moins 1,5 de eta mu nu, eta alpha, bêta. Donc ce membre de gauche donne ça, le d'Alembert donne ça. Et donc, le propagateur pour la gravitation, c'est-à-dire la fonction de Green qui intervient dans la gravitation, ça va être l'inverse de ça. Alors qu'est-ce que c'est que l'inverse de ça? Vous vérifiez. Alors, bon. Si ce n'est pas clair pour vous ce que veut dire l'inverse, on résout une équation aux dérivées partielles en trouvant une fonction de Green, ou si vous êtes en Fourier, vous remplacez toutes les dérivées d'mu par pmu, ipmu, et puis vous inversez le coefficient de Fourier pour avoir 1 sur p carré, et puis en haut, vous avez un tenseur qui projette le champ et qui montre comment il se propage. Donc la fonction de Green, qui est l'inverse de ça, fonction de Green pour la gravitation, qui est donc gmu nu. Donc la fonction de Green va être une fonction à deux points, il y a le point de départ, le point source et le point, hein, et c'est égal à l'inverse de ça, donc il faut que je calcule l'inverse de cette matrice en fait. C'est assez facile de calculer cette inverse, et vous trouvez que ça vaut delta mu nu, delta nu, bêta. C'est le calcul qui revient à inverser ça pour calculer h en fonction de h bar plutôt que h bar en fonction de h. Et c'est là où apparaît la dimension de l'espace-temps moins 2, eta mu nu, eta alpha beta. Alors à 4 dimensions, il se trouve que ça vaut 2, et donc on a des moins 1,5 toujours, ce qui est plus simple, on ne risque pas de faire d'erreur. Donc ça veut dire que la fonction de Green contient une partie de projection tensorielle et puis contient la fonction de Green scalaire, parce que là j'ai juste besoin de trouver l'inverse du Laplacien agissant sur une fonction scalaire. Donc, conséquence, au facteur, ça veut dire que la fonction de Green pour la gravitation est égale à ça fois la fonction de Green scalaire de x moins y, où on a vu tout à l'heure que la fonction de Green scalaire définie comme l'inverse du Laplacien, mais en incluant un facteur moins 4 pi, donc j'aurais dû écrire ça avec, d'abord il apparaît moins 1 sur 4 pi dans l'action, donc c'est cette inverse-là que j'appelle fonction de Green, d'une fonction delta à 4 dimensions. On a vu que dans le cas symétrique, cette fonction de Green scalaire était simplement égale à la fonction delta sans facteur de x moins y carré, de la distance, de l'intervalle carré entre les deux points calculé par rapport à la métrique plate. Bien. Donc j'ai réussi à calculer le propagateur, et du coup, je regarde l'analogue du calcul. Avant, j'ai dit que le terme d'interaction était fait de deux bouts. Il y avait un terme qui était le terme d'interaction de départ, J mu à mu, et puis il fallait que je calcule aussi le terme cinétique. Le raisonnement que je faisais avant pour l'action de Fokker, que j'ai le droit de remplacer dans l'action de Fokker le champ en fonction des sources, reste vrai. Maintenant, il y a les termes cinétiques du champ ici à mu, mais qui devient H, et puis les termes de couplage du champ H à la matière. Avant, c'était le terme dA carré, avec des 1,5 devant, et ce terme-là. Et on avait dit que ce terme-là donnait la même chose que ça, mais avec un moins 1,5. C'est-à-dire que finalement, il changeait juste le terme d'interaction en mettant un 1,5.
Mais là, le raisonnement que j'ai fait est universel. C'est juste de dire que le minimum de x2 plus ax est égal à moins a sur 2. Enfin, le 1,5 est absolument universel là-dedans. Donc, en fait, le terme d'interaction, c'est celui que j'ai écrit ici, qui, dans le cas général, s'écrit 1,5 de l'intégrale de h mu t mu, mais je dois rajouter un coefficient 1,5 de plus devant. Voilà, vous faites le calcul. Et là-dedans, je remplace h comme étant... donc, cette fonction de Green, elle est faite pour dire que le h mu nu au point x est égal à la convolution entre ce g mu nu alpha beta de x, y, fois la source... sauf que la source ici, au 4 pi près, la source, ça vaut 4, puisque j'ai défini, j'ai factorisé un 4 pi, donc il me reste 4g. Donc la source vaut 4g t0 alpha bêta. Donc, et j'ai la convolution, c'est-à-dire ça c'est au point y, et je fais une intégrale sur dy. Voilà, ça c'est la solution des équations d'Einstein, c'est la définition de Green. Je remplace ça là-dedans. Donc ça, c'est une intégrale sur t aussi. Donc quand vous mettez tous les facteurs 1,5, si je ne me suis pas trompé, vous retrouvez, enfin tout est fait pour, c'est Einstein le premier qui a fait le calcul sous une autre forme, que entre le 1 quart ici, etc., vous trouvez que c'est l'intégrale de g Newton ici, de t0 mu nu, fois d'Alembert, oui pardon, je vais l'écrire, après avoir mis les facteurs 4 pi et tout ça. Oui, donc les notes sont mises, mes notes sont mises sur le web de l'IHES un peu lentement. Je crois qu'il y a, cet après-midi, vous aurez au moins le deuxième cours en plus du premier. Et puis, mais tout ça, éventuellement, sera disponible. Donc, vous avez ici l'interaction de Newton, la constante de Newton. Ici, j'ai laissé en dimension d quelconque. T0 mu nu x, g mu nu alpha bêta x, y, t0 alpha bêta au point y. Donc ça, c'est une première forme qui était l'analogue d'avoir le courant j mu, la fonction de Green et j mu, qui était en fait une fonction de Green vectorielle, mais on ne l'avait pas vue parce qu'elle servait juste à contracter les indices, en fait, à faire des choses comme ça. Ou si on les met au même niveau, à faire un état mu nu. Ça, c'était la fonction de Green pour l'électromagnétisme. Ici, comme j'ai plus d'indices, il faut explicitement que je les mette. Et maintenant, si je remplace là-dedans le t mu nu par son expression, en fonction des lignes d'univers, j'ai une somme double que je vais écrire comme 1,5 de somme AB. Alors, j'introduis... en fait, j'ai le coefficient 1. Mais là, comme les sommes doubles, il est commode de mettre un 1,5 devant pour ne pas compter deux fois le terme qu'il ne faut pas compter deux fois. Ça veut dire 2,5 fois une intégrale double sur les temps propres en relativité restreinte de MA, UA, UA, mu nu, G alpha beta mu nu de X moins XA moins XB, de MB, UB alpha, UB bêta, 0, 0. Alors tout ça a l'air assez compliqué, mais est en fait très simple, surtout si vous pensez en termes de diagramme. C'est à ça que servent les diagrammes, c'est juste pour, au lieu de se perdre dans le calcul et se demander si on a les bons facteurs 1, 2, on voit tout de suite quels sont les bons facteurs si on écrit ce résultat pour le problème à n corps en fonction de diagramme. Parce que dans le cas de l'électromagnétisme, l'interaction, je vous rappelle, à l'ordre linéarisé, c'était des choses comme ça, où ici, il y avait ce à quoi se couple le champ A mu sur la ligne, qui était à part la fonction delta, il y avait la charge, et puis il y avait la quadrivitesse de cette particule ici. Okay? Et puis entre les deux, si j'ai ici nu, il y avait le propagateur pour l'électromagnétisme, qui était égal au propagateur scalaire fois essentiellement état mu nu, à cause de l'action. Ici, si je regarde ça,
vous voyez que j'ai une action du même type, mais ici, j'ai la masse, et puis j'ai un objet à deux indices, et donc j'ai en fait une là où j'avais simplement la quadrivitesse, j'en ai maintenant deux. Et puis ici, j'ai MB, et puis j'ai UB, alpha, bêta, et puis entre les deux, le calcul montre que je dois insérer cette fonction de Green pour la gravitation, qui est ce G mu nu alpha bêta de XA moins XB. Bien. Donc, et du coup, on peut comparer directement. Donc, et quand vous mettez tous les facteurs, celui-là était très simple en plus, c'était vraiment simplement égal à, avec les indices ici, eta mu nu fois delta de x moins y carré. Pardon, xa moins xb carré. Vous voyez, après avoir toute la technologie, le terme dans l'interaction, le terme S d'interaction, est simplement donné vraiment par, vous mettez EA, UA, vous mettez EB, UB, entre les deux, vous mettez delta x moins carré, et vous intégrez sur les deux lignes. Point, barre. Et c'est après, en développant en puissance de V2 sur C2, au même niveau de la gravitation, vous avez la même chose, donc devant... J'ai dit qu'il y a un facteur qui est deux fois la constante de Newton que j'avais mis dans l'action. On va voir pourquoi deux. Et puis, j'ai la contraction, au lieu d'avoir un seul indice, la UA, UB, deux indices, là, deux indices. Et entre les deux, la fonction de Green, c'est cet objet-là qui est delta de x moins xa moins xb carré, le même qu'avant. Et puis, mais j'ai des choses qui contractent les indices, c'est-à-dire j'ai delta mu alpha delta nu bêta, moins 1 sur d moins 2, eta mu nu, eta alpha bêta. Donc, j'insère ça au milieu, je fais le calcul, et je peux comparer les choses. Vous pouvez faire aussi le calcul avec un champ encore plus simple que tout ça, qui est un champ scalaire, pour voir. Si vous refaites comme exercice la même chose avec un champ scalaire, avec des phi carrés, alors sans doute à 4 pi près, c'est-à-dire si je voulais utiliser les mêmes genres d'unités, il faudrait que je mette 1 sur 4 pi ici, et puis un couplage du champ scalaire le long de chaque ligne d'univers. Alors quel est le couplage relativiste d'un champ scalaire? Un champ scalaire n'a pas d'indice. Donc son couplage à une ligne d'univers, ça va être l'intégrale du temps propre en relativité restreinte. Hein. Le temps propre le long de la ligne fois la valeur du champ sur la ligne. OK. Et vous intégrez ça. Et donc, quand vous faites le calcul aussi pour le champ scalaire, vous avez de nouveau le même résultat, mais la différence, c'est que ici, vous avez la constante de couplage à chaque ligne d'univers à laquelle le champ scalaire se couple, et puis la fonction de Green, elle est scalaire, donc justement, c'est simplement delta de xa moins xb au carré. Et donc, dans ce cas-là, vous trouvez quelque chose qui vaut ga, gb, delta de xa moins xb carré intégré sur les deux lignes. Okay. Donc finalement, vous voyez que si vous comparez les calculs... Oui, Nathalie. Qu'est-ce qui force à prendre un couplage linéaire dans ce cas? Rien, ça c'est au niveau linéaire. Et effectivement, je vais parler maintenant des termes de couplage. Et là aussi, on peut mettre des termes de couplage, des termes cinétiques d'ordre plus élevé. C'est juste pour dire, au niveau quadratique, les diagrammes dont je suis en train de parler, c'est ce qu'on appelle en théorie des champs, one photon exchange, one graviton exchange, l'échange d'une particule, d'un quanta du champ, ce qui correspond à une interaction linéaire à chaque bout, et pour la propagation, quelque chose de quadratique. Alors, ça, à ce niveau-là, quelle est la différence entre gravitation, électromagnétisme et spin zéro. Vous voyez que, comme c'est exactement les mêmes, vous avez quelque chose qui s'écrit où il y a, vous avez, voilà, je l'ai écrit ici. Il y a quelque chose qui, dont le signe dépend du spin. Parce que ici, si vous faites les calculs tels que je l'ai dit, les signes ne changent pas. Parce que les termes cinétiques, c'est toujours moins 1,5 de d mu a, du champ d mu a, ok? Donc là, le signe ne va pas changer. Les couplages à la source, vous mettez ce que vous voulez, mais de toute façon, ça n'intervient pas parce que ça va intervenir deux fois. Donc le signe que vous le définissez avec plus ou moins, il ne va pas changer. Et donc, vous aurez toujours le signe plus devant ces trucs-là. Mais la différence, c'est qu'ici, vous avez un terme qui est une contraction de deux quadrivecteurs. Et donc, dans le cas d'un champ vectoriel, qu'on appelle spin 1, parce qu'il est sans masse, vous avez un couplage qui va contenir UA mu, UB mu. Okay. Et ça,
c'est négatif en fait, ça vaut moins 1 dans le cas où les deux sont parallèles. Ici, vous avez le couplage de quoi ? Qui est UA, UA, mu nu, UB, UB, disons, alpha, bêta, et entre les deux, vous avez ça, delta mu, delta nu, alpha, bêta, moins 1 sur D moins 2, eta mu nu, eta alpha, bêta. Vous mettez les indices où il faut, en haut ou en bas. Ce qui donne, si vous le calculez explicitement, donc ici j'ai mis un facteur 2. Pourquoi j'ai mis un facteur 2 ? Simplement pour dire, je vais multiplier ça en 2 en dimension 4, parce que si je multiplie par 2, je trouve le résultat que c'est 2 fois le produit UA UB carré moins 1. Si je ne multiplie pas par 2, j'ai UA UB carré moins 1 demi. Et dans la limite non relativiste, UA UB qui sont parallèles vaut moins 1, donc j'ai 1 moins 1, j'ai 1 moins 1 demi, c'est-à-dire plus 1 demi. C'est pour ça qu'il fallait que je mette un facteur 2 si je veux définir la constante de Newton dans la limite non relativiste. Donc ici, j'ai inclus le facteur 2, hein, je multiplie par 2G ici, et donc j'ai ce terme-là. Dans le cas, ça c'est le spin 2. Dans le cas de spin 0, au lieu de tous ces trucs-là, j'ai un facteur 1 simplement, parce que je n'ai pas de quadrivecteur, rien. Donc vous voyez que cet objet-là a un signe moins, cet objet-là a un signe plus, et cet objet-là a un signe plus. Ces signes-là nous disent que, selon le spin, l'interaction est attractive ou répulsive, mais que vous voyez directement à ce niveau des diagrammes. Mais maintenant, vous pouvez aller plus loin, qui est de dire, vous refaites le calcul que j'ai fait tout à l'heure, qui consiste à dire, j'ai la même fonction de Green partout. Okay ? La fonction de Green, elle a des parties tensorielles qui sont incluses dans ces facteurs. Donc ça, ça va distinguer le couplage gravitationnel avec cette contraction-là, le couplage électromagnétique et le couplage scalaire. Et puis le reste du calcul, il apparaît cette fonction de Green-là. Et vous faites le même truc qu'avant, c'est-à-dire vous prenez, je vous rappelle, vous prenez cette fonction de Green comme fonction de deux points de l'espace-temps, vous prenez le deuxième point, disons, à l'origine, et vous la symétrique, et vous la développez. Oui, non, il vaut mieux que je prenne deux points. Okay. Et du coup, vous trouvez que ça vaut delta de TA moins TB sur XA moins XB, pour mieux voir, plus le terme du deuxième ordre, qu'on pouvait écrire comme moins 1 sur 2C2, la dérivée mixte par rapport à TA TB de delta de TA moins TB, multiplié par XA moins XB en haut, cette fois la puissance plus 1 au lieu de moins 1 ici, plus des termes en 1 sur C4. Mais on a déjà fait le calcul. Donc le même calcul, vous pouvez le refaire. En fait, il donne les mêmes termes parce que les termes ici qui diffèrent de la gravitation de l'autre sont déjà de l'ordre 1 sur C2. Donc le même calcul que je vous ai déjà fait donne le résultat. Et quand vous faites ça, vous trouvez le résultat suivant, qui est écrit ici, cet échange d'un quantum, c'est par analogie, parce que Feynman a repris les calculs de Fokker, et après, il a essayé de quantifier l'action de Fokker. Vous savez, le début des diagrammes de Feynman, c'est que Feynman s'est dit, je vais prendre comme base pour l'électrodynamique quantique cette action de Fokker, et je vais essayer de la quantifier telle que. Son problème, c'était que comme elle n'avait pas une bonne action locale dans le temps et un hamiltonien, il ne savait pas quoi faire. Et donc, il a réfléchi un certain temps avant de trouver ce qu'il a trouvé. Ici, on revient aux bases classiques. Donc, ce terme d'interaction entre deux charges, charge au sens général, c'est-à-dire si c'est un champ scalaire, je dis que c'est une charge qui se couple avec GA. Si c'est un champ électromagnétique, je dis que ça se couple avec la charge A électrique fois le quadri vitesse U. Et puis, dans le cas gravitationnel, j'ai la masse MA, MB, et puis j'ai ce facteur-là. Ce terme dans le Lagrangien, pour le spin S, et je vous rappelle qu'un terme dans un Lagrangien, c'est moins un terme de potentiel, parce qu'un Lagrangien, c'est T moins V, bon, les signes, toujours. Vous trouvez qu'il vaut moins la puissance S, c'est-à-dire justement le signe alterne selon le spin, autrement dit, les forces de Coulomb pour les mêmes charges sont répulsives, et les forces gravitationnelles sont attractives, et les forces scalaires sont attractives. Et si on était à un spin 3, ce qui pose certains problèmes, ça serait aussi, comme l'électromagnétisme, répulsif. Vous avez les charges QAQB, vous avez le potentiel de Coulomb 1 sur XA, X moins XB, et puis maintenant, vous avez les corrections en V2 sur C2, qui sont obtenues par le même calcul que j'ai esquissé. Alors, il y a une partie de ces termes-là qui sont totalement universels, qui viennent de ça.
Et ces termes-là, c'est ceux qui donnent en particulier ça et une partie de celui-là. Et puis vous avez des termes dans le calcul qui dépendent de quel spin je considère. Et quand est-ce qu'ils en dépendent? C'est que ici, ce terme-là, par exemple, ça vaut aussi moins 1, 1 moins VA, VB. Alors que celui-là, si vous le développez, ça donne une autre fonction des vitesses. Et celui-là, il donne 1. Donc quand vous faites le calcul, enfin, ça a fois le U0, U0. C'est-à-dire, si je mettais le TA, TB comme paramètre, j'aurais juste ça. Et donc, vous faites le calcul général, et là, vous trouvez quelque chose d'assez simple, c'est que les termes en V2 sur C2 sont les mêmes, sauf certains termes qui se regroupent entre eux et qui diffèrent selon la valeur du spin. Et ces termes contiennent un paramètre, enfin, ce n'est pas un paramètre, c'est un nombre que vous calculez, que j'ai appelé ici gamma S, on verra pourquoi, parce que c'est le fameux gamma de Robertson, de Eddington-Robertson du paramétrisme PPN, du formalisme PPN, mais c'est un nombre que vous calculez pour chaque spin, pour un champ de spin. Et vous trouvez la formule suivante, cette formule qu'on avait trouvée avec Gilles il y a longtemps, que je trouve élégante, qui est de dire que les seules différences entre l'échange des spins est donnée par ce gamma qui vaut moins 1 plus le carré du spin divisé par 2. Donc pour le spin 0, ça donne moins 1, pour le spin 1, ça donne moins 1,5, et pour la gravitation, ça donne plus 1,5. Donc vous pouvez vérifier que si vous remplacez effectivement gamma par moins 1,5, ce résultat-là est équivalent à ce que j'avais écrit avant, qui se trouve peut-être encore sur un tableau. Mais quand gamma vaut 1, c'est-à-dire pour le cas du spin carré 2, ça donne le résultat pour la gravitation. Bien. Et donc le résultat pour la gravitation, c'est-à-dire celui qui inclut ce facteur-là au lieu d'avoir ce facteur-là. Hein. C'est ça l'essentiel. Mais maintenant, ici c'est à l'approximation, d'abord en 1 sur C2 ici, mais où je n'ai utilisé que ce diagramme. C'est-à-dire j'ai pris le couplage linéaire aux sources et la propagation linéaire du champ. Mais maintenant, les diagrammes permettent d'avoir une vision plus claire de quels sont le type de termes qui apparaissent au-delà. Parce que je reviens, oui en fait j'ai ici, j'ai l'action d'Einstein. Mais maintenant je dois tenir compte de ces termes-là, ok? Parce que pour le moment, j'ai pris en compte uniquement ce terme-là et puis ce premier couplage. Donc je dois tenir compte de termes suivants. Je peux avoir des couplages de ce type-là et des couplages de ce type-là. Alors en termes de calcul, et ça va changer l'action. Alors comment ça la change? Eh bien, on le voit tout de suite si on dessine ces choses-là. OK. Donc, il y a une partie du calcul qui a été faite qui n'est pas à refaire. Et on doit rajouter des termes. Alors, quels sont les types de ces termes-là? Alors, un type de ce terme-là, c'est en théorie des champs, c'est ce qu'on appelle un couplage à trois points. Ça veut dire que vous avez trois champs qui interagissent à un certain point, et puis dans l'action, vous intégrez sur le point intermédiaire x. Donc chaque patte ici veut dire h. I point x, ça veut dire qu'il y a deux dérivées que je ne mets pas ici, mais dont il faut tenir compte dans le calcul. Donc ça, c'est dans l'action. Ici, ce terme-là veut dire quoi? Ce terme-là voulait dire que j'avais une ligne d'univers qui était une source, et puis j'avais un couplage du champ linéaire. Le champ se couplait comme A mu, J mu, linéairement, il était bilinéaire entre la source et le champ. Ce terme-là veut dire que j'ai deux champs et une source. Donc en fait, j'ai des couplages comme ça. J'ai trois objets qui arrivent en ce point, la source, qui est une ligne d'univers, et puis deux champs. Et du coup, quand vous faites on est en relativité générale. Donc ici, je vous ai montré juste la partie la plus simple du calcul, la même que pour l'électromagnétisme. Mais maintenant, en relativité générale, il y a ces termes non linéaires, puisque quand je développe ça, je vais avoir des termes en H2. Donc, il faut que je rajoute ces termes-là et puis que je les mette. Du coup, ça va donner un terme comme ça. Et puis, du côté de l'action gravitationnelle, j'ai aussi ces termes-là, au-delà de l'approximation linéarisée d'Einstein. Donc, quand vous faites le calcul, vous trouvez que l'action réduite gravitationnelle est la somme des termes que j'indiquais avant, comme ça, et puis vous avez qui étaient des termes qui incluaient deux lignes d'univers, finalement, j'avais une somme sur, j'avais quelque chose de quadratique dans les sources, et la source était une somme sur toutes les particules, donc j'avais une somme double sur A et B, et puis je dois rajouter des termes qui sont cubiques, et donc quand j'ai trois particules,
Ce terme-là, quand vous... OK. Donc, vous faites le même calcul que j'ai indiqué auparavant, et vous dites, bon, je dois remplacer maintenant, pour calculer l'action de Fokker, je dois remplacer là-dedans H par la fonctionnelle des sources. Mais H, c'est quoi? H, c'est une fonction de Green fois la source. Mais en termes graphiques, H, ça veut dire, j'ai la source, au point X ici, la fonction de Green veut dire ça, et puis j'ai une intégrale sur la source. Ici, j'intègre sur ce point-là, OK? Et j'ai H en ce point-là. Donc, ce terme-là, j'en prends 3, OK? Et je dois les combiner en ce point-là, et puis je dois maintenant intégrer ça sur D4X. Donc le fait que j'ai un terme dans l'action va me donner un terme d'interaction comme ça. Et je peux le lire simplement. Et puis l'autre terme qui reste, c'est celui-là, où j'ai, par exemple, là aussi j'ai un truc à trois corps, où en ce point-là, j'ai ce terme de source ici, et puis j'ai deux champs H qui arrivent en ce point-là. Mais il y en a un, c'est le champ H total, mais comme... En chaque point H est une somme sur des H engendrée par une ligne XA. Donc, en ce point-là, j'écris la somme comme une somme, quand j'ai le carré de ça, H carré est une somme double de HA, HB. Et donc, j'ai un terme comme ça. Bien. Au niveau des corrections, si je veux avoir l'action pour la gravitation comme étant l'action de Newton, plus des termes en 1 sur C2, en négligeant que je garde, en négligeant les termes en 1 sur C4, ce sont les seuls diagrammes à prendre en compte. Oui. Comment tu traites en fait les graphes où une ligne émet un graviton et réabsorbe le même graviton? La boucle, oui, on y arrivera après. Ça va être en fait, comme il reste encore que 5 minutes, je vais l'indiquer dès que j'ai le temps. Donc, je veux indiquer là, techniquement, comment vous faites le calcul pour faire vraiment ce calcul-là. Alors, parmi ce terme-là, en fait, ceux-là sont assez faciles parce que il n'y a pas d'intégration sur un point intermédiaire. Un terme comme ça, je vous rappelle, ça veut dire que ici, je calcule le H engendré par la source, le H engendré par la source. Chaque H engendré par la source est une somme des SA sur la source elle-même. Mais en tant que fonction de X, Ça dépend de la fonction de Green au point X. Donc, oui, chacune de ces lignes-là veut dire que j'ai la fonction de Green de la gravitation. Hein. J'ai mu nu alpha bêta entre ce point-là, XA, et le point intermédiaire X. Et puis là, j'ai trois fonctions de Green. Et puis après, je dois intégrer, d'après ici, sur le point intermédiaire. Donc, celui-là, je n'ai pas d'intégrale sur un point intermédiaire. Et donc, j'ai tout de suite un terme. Quand vous calculez ce terme-là, c'est très facile. Vous trouvez que vous avez un terme supplémentaire d'interaction avec la matière qui est simplement une somme triple ABC de G carré MA MB MC à l'ordre le plus bas où, alors, en général, vous avez les fonctions de Green retardées, mais à l'ordre le plus bas, vous remplacez les fonctions de Green par 1 sur R, c'est-à-dire la fonction de l'inverse de Laplace au lieu de l'inverse de D'Alembert, hein, la fonction de Green instantanée à l'ordre le plus bas, c'est simplement 1 sur R, 1 sur X moins Y. C'est avec le delta TA moins TB qui veut dire que je prends les trucs au même temps, T. Donc, rien qu'en regardant ce diagramme, vous voyez tout de suite qu'effectivement, ça va contenir 1 sur XA moins XB, et puis il y aura les trois masses, MA, MB, MC. Et puis là, il y a un coefficient numérique que vous devez calculer en regardant explicitement, en faisant le calcul. L'autre a l'air plus compliqué, celui-là, mais on peut le calculer à l'approximation newtonienne la plus basse à cause de la raison suivante. J'ai dit que les équations d'Einstein linéarisées en jauge de Lorentz s'écrivaient d'Alembert de h bar mu nu, et non pas h mu nu, h bar mu nu valant h mu nu moins 1 demi de h eta mu nu, valait moins 16 pi g de t mu nu à l'ordre 0. Mais t mu nu, c'était ma, et puis c'était l'intégrale sur la ligne avec ua mu, ua nu. Ici, j'ai la quadrivitesse. Si je prends des particules qui ont une vitesse faible dans le référentiel de Lorentz où je suis, la quadrivitesse, elle est essentiellement verticale. Elle a la composante 0. Déjà, les composantes ui sont plus petites de v sur c. Et puis, les composantes ui et uj sont encore plus petites de v2 sur c2. Donc, vous en déduisez que t0, 0 est beaucoup plus grand si v sur c est beaucoup plus petit que 1. Si dans un référentiel de Lorentz, toutes mes particules bougent de façon faible par rapport à la vitesse de lumière et je développe en 1 sur c, T0, 0 qui est en U0 carré est beaucoup plus grand que T0, I, parce que là, il y a un facteur V sur C, et puis T, I, J, il y a encore un autre facteur V sur C carré par rapport à celui-là. Donc,
comme je résous cette équation directement par une fonction de Green, la solution est proportionnelle à la source. Donc si la source est petite, la solution est petite. Donc j'en déduis aussi que h bar 0, 0 est beaucoup plus grand que h bar 0, i, qui est beaucoup plus grand que h bar ij. Et je sais que chacun est plus petit d'un facteur v sur c par rapport au suivant. Mais, et en plus, à l'ordre le plus bas, quand je résous cette équation... Ah oui, pour calculer ce diagramme, si on veut vraiment le calculer avec les fonctions de Green retardées dans l'espace-temps, en fait, c'est très compliqué, parce que là, vous avez des vraies intégrales non triviales de fonctions de Green à trois points. Mais dans l'approximation post-newtonienne, vous remplacez... Et en fait, avec Nathalie, en fait, on avait calculé le terme équivalent à celui-là au deuxième ordre, mais c'est donné par des intégrales très compliquées. Mais le vieux calcul post-newtonien consiste à dire je prends une approximation instantanée, la fonction de Green vaut l'inverse du Laplace, tout est non relativiste, et du coup, cette intégrale, elle contient que des 1 sur xa moins xb au même instant. Et du coup, quand vous faites le calcul de cette intégrale, vous allez pouvoir le faire. Et pourquoi vous allez pouvoir le faire? Parce que aussi, vous avez cette simplification qui dit que finalement, à l'approximation la plus basse, la seule quantité qui compte, c'est h bar 0, 0. Et comme dans le membre de droite, j'ai 16 pi et non pas 4 pi, vous trouvez que ça vaut 4 fois le potentiel newtonien sur C2. Donc, là, vous retrouvez la limite newtonienne. Avant, j'avais dit que si vous repassez maintenant de h bar 0, 0 à h 0, 0, qui vaut h bar 0, 0 moins 1 demi de la trace de h eta 0, 0, vous trouvez que h 0, 0 vaut la moitié de ça, donc ça vaut 2 u sur c2, ce que j'avais indiqué. Vous trouvez aussi que h ij vaut 2 u sur c2 delta ij, avec un signe plus, ce truc-là. Mais si vous pensez que vous faites le calcul ici en fonction des variables h bar, par exemple, vous n'allez avoir qu'une seule composante à faire dans le calcul. Au lieu d'avoir un champ tensoriel avec état d'indice des contractions, vous avez finalement une seule composante scalaire. Et du coup, ce diagramme, quand vous l'écrivez explicitement, et il a été écrit dès 1916 en fait, vous trouvez que c'est une intégrale. Il y a une intégrale sur le temps, mais ça veut dire que le Lagrangien va contenir une intégrale sur l'espace, du potentiel gravitationnel, et puis je vais avoir deux dérivées du potentiel gravitationnel. Mais comme il n'y a pas d'indice ici, les seules contractions possibles, ça va être celle-là. C'est-à-dire, j'ai DI, DU. Et alors ça a l'air d'être une vraie intégrale que vous devez calculer dans l'espace, etc., non triviale, où U, à cette approximation-là, est la somme de GMA sur X moins XA. Donc ça, c'est déjà, j'ai un point X, et puis j'ai trois points ABC, et je dois calculer cette intégrale-là qui est une somme triple sur ABC. Mais en fait, c'est trivial de la calculer parce que, regardez, ici j'ai U, DU, donc je peux écrire ça comme le gradient de U2 sur 2 déjà. Donc j'ai maintenant le produit de deux gradients. Et puis maintenant, j'intègre par partie en faisant passer ce gradient-là à droite, donc j'ai un signe moins, et puis ici je vais avoir l'opérateur de Laplace agissant sur U. Mais l'opérateur de Laplace agissant sur U, ça donne une fonction delta sur les lignes. Donc, en fait, ce truc-là se ramène à l'autre. Donc, ce raisonnement-là prouve que ce terme-là peut s'exprimer simplement par le même diagramme que l'autre. Et donc, à la fin de la journée, comme on dit en anglo-saxon, vous trouvez qu'il y a un terme supplémentaire dans l'action, mais il est simplement égal... Est-ce que je l'ai écrit ? Oui. À la fin de la journée, vous trouvez que le Lagrangien à deux corps en gravité est donné par... Cette formule-là, avec gamma pour le spin égal à 2, c'est-à-dire 1, ça c'est la partie à deux corps, plus un terme à trois corps, ABC, qui est la somme avec un coefficient moins 1,5, donc c'est là où il faut faire un calcul, différent de A, différent de C, de la constante de Newton au carré, fois MA, MB, MC, sur C2, RAB, RAC, c'est-à-dire le terme que j'avais écrit ici, hein, c'est un diagramme comme ça, avec les 1 sur RAB et 1 sur RAC, que vous voyez directement, 1 sur RAB, 1 sur RAC, c'est la fonction de Green. Et puis, tout le calcul consiste à calculer le moins 1,5 devant. Bien. Voilà, on est presque arrivé à la fin. D'ailleurs, je crois que c'est à peu près la fin, oui. Juste, quels sont les commentaires? Ah oui, les commentaires, c'est de dire, on sait bien que dans le cas de l'électromagnétisme, le couplage à mu j mu, qui pour une particule donnait E à mu, U mu, ça contenait
si vous le calculez ou dx mu sur dt par rapport à un certain référentiel de Lorentz, ça contenait la charge et puis ça contenait A0 plus AI VI. Donc, le couplage en A0, c'est la force de type coulombien. Le couplage AI VI, on sait que c'est ce qu'on appelle les forces magnétiques. Si vous calculez l'effet de AV, un Lagrangien du type AV donne une force de Laplace en V cross produit extérieur fois le champ magnétique correspondant. Donc les termes magnétiques sont liés à cette dépendance par rapport au spin. Et dans l'action de Fokker et de Darwin, les termes magnétiques, c'était de dire j'ai l'interaction de Coulomb EA, EB sur RAB, et puis derrière j'ai les termes en vitesse. Tous les termes qui contiennent les vitesses sont des corrections magnétiques, hein, qui apparaissent tous ici de façon quadratique. Le NAB, hein, je ne sais pas si je vous redis, c'est XA moins XB en tant que vecteur divisé par le module de XA moins XB. C'est le vecteur unité allant de B vers A. Et donc ici, vous avez des termes magnétiques. Mais donc vous voyez qu'en gravitation, vous avez aussi des termes du type magnétique, c'est-à-dire des corrections finalement à la loi de Newton, la loi en 1 sur R carré pour la force, qui dépendent des vitesses. Mais que l'essentiel, ces termes-là, sont du même type que ceux de Maxwell, mais diffèrent par ici le fait que vous avez un coefficient qui, au lieu de valoir moins 1,5 chez Maxwell, vaut plus 1. Donc il y a des effets qu'on appelle gravito-magnétiques, mais qui auront une forme différente de celle de Maxwell. Mais le point important, c'est qu'ils sont complètement déterminés par le spin du champ qui propage ça. Pour le spin 1, ça donne ça, pour le spin 2. Donc quand on teste, et c'est ce qu'on fera la prochaine fois, quand on parle de test de la gravitation au niveau des termes de couplage de ce type-là magnétique, en fait, ce que l'on teste, c'est le spin du champ gravitationnel. Et tout ça apparaît dans un nombre, gamma, qui, dans le cas de spin 2, vaut 1. Et donc si vous testez si ce nombre vaut 1, à une précision de temps, ça veut dire que vous avez déterminé que le spin du champ gravitationnel vaut 2 à une précision de temps. Et c'est ça qu'on discutera la prochaine fois. Merci. Nathalie, oui. Voilà, j'ai fini. C'est ce qui explique la différence entre la précession de Thomas et la précession géodétique, ce que tu viens de dire. Je ne suis pas sûr sous cette forme-là, mais on le verra la prochaine fois. Oui. Pardon. Les boucles. Oui, alors les boucles. Effectivement, j'avais en principe, d'ailleurs, j'ai peut-être perdu ma page, les boucles, oui. Donc, on a vu... Alors, il y a deux façons... Dans tous ces diagrammes ici, il y avait par exemple, pour une seule ligne, il y avait des termes comme ça. Et de façon plus intéressante et plus compliquée, si j'ai plusieurs lignes, j'ai aussi des choses qui sont par exemple comme ça, et puis des choses qui sont comme ça. Okay. Donc, j'ai dans le même calcul que j'ai fait, j'ai effectivement ces termes-là de boucle. Donc, il y a deux façons de faire. Techniquement, si on fait tout le calcul dans une dimension d'espace-temps grand D, qui est égal à 4 moins epsilon, où epsilon est un nombre complexe, et que l'on fait le prolongement analytique par rapport à epsilon, on trouve que tous ces termes-là sont nuls. Bien. Maintenant, les justifications de pourquoi physiquement ça veut dire qu'ils sont nuls, ce n'est pas ce raisonnement qui donne la justification. Il y a deux, au niveau le plus bas dont je discutais ici, il y a une première justification purement calculatoire, qui à ce niveau-là marche, c'est que si vous prenez un système qui est fait de beaucoup de lignes d'univers, et puis vous en prenez une de plus. Vous pouvez regarder les effets de boucle, ça veut dire les effets d'autogravitation, pardon, je voulais dire. C'est, vous prenez une particule, cette particule a une énergie gravitationnelle, et dire qu'il y a un diagramme comme ça veut dire que l'énergie gravitationnelle de cette particule gravite, parce que la théorie est non linéaire, donc il doit avoir un effet qui est lié à l'autogravitation des particules. Alors, une première façon de le voir, c'est que vous prenez un bunch de particules, comme ça, un tas de particules, et vous regardez l'effet de l'intergravitation, en tout cas de toutes ces particules très proches les unes des autres. Et vous trouvez que ça se renormalise, c'est-à-dire que ça, c'est un terme dans la masse que l'on peut factoriser, et que une fois qu'on l'a mis en gravitation d'Einstein, il disparaît partout ailleurs. Okay. Mais il y a une autre justification, mais ça c'est un calcul qu'on peut faire pour les champs faibles, c'est-à-dire on prend des particules de poussière qui interagissent comme ça entre elles gravitationnellement. Si vous parlez, et c'est de ça qu'on expliquera les prochaines fois, d'étoiles à neutrons ou de trous noirs, un trou noir, il n'y a même pas de matière, okay. Vous avez une autogravitation très forte. Là, vous avez besoin d'un autre raisonnement, et on indiquera comment les raisonnements de asymptotic matching, la méthode
de raccordement des développements asymptotiques multiples permet de prouver que effectivement tous les effets d'autogravitation sont effacés. C'est ce que j'ai appelé le principe d'effacement de la structure interne des objets fortement autogravitants. Mais on le démontre. Oui. Mais techniquement, la façon la plus simple, c'est d'utiliser régularisation dimensionnelle avec justification physique. Si tu travailles donc en dimension 4 moins epsilon, tous ces effets sont d'ordre epsilon, c'est ça ? Non, ils sont nuls. Ces effets ne sont pas seulement d'ordre epsilon, parce que par exemple, ça veut dire qu'il y a des termes en 1 sur xa moins xb, avec xb égale xa, soit sous forme d'intégrale, soit en un point, à la puissance 1 moins epsilon. Si la partie réelle de epsilon est assez grande, ce truc-là s'écrit xa moins xa à la puissance epsilon moins 1, et dès que ça a une partie réelle positive, ce truc-là est nul, strictement. Et donc, c'est des termes en régularisation dimensionnelle. C'est des termes qui n'ont pas la bonne dimension, je veux dire, c'est des termes qui sont dimensionnés, et donc ils sont nuls en régularisation dimensionnelle, comme tu sais. Autre question ? Oui. Ce formalisme, est-ce qu'on peut le généraliser au cas où l'espace n'est pas asymptotiquement plat ? Donc, par exemple, là, on a très souvent utilisé le fait qu'on intégrait par partie. Mais par exemple, si je veux faire ça pour un espace cosmologique, typiquement, je vais avoir un problème. Donc, par exemple, on a utilisé l'action d'Einstein plutôt que l'action de Hilbert-Einstein. Mais ça, c'était pour avoir les équations locales. Bon, ça n'empêche pas le problème des termes de surface, oui. Bon, cela dit, pour le vrai problème cosmologique qui est de savoir quelle est l'influence de l'expansion de l'univers sur la dynamique du système solaire, on peut le traiter et voir quels sont ces effets-là, et ils sont totalement négligeables, contrairement à certaines affirmations dans la littérature que je ne citerai pas, qui sont totalement fausses. Si tu te poses des questions plus... profonde. En principe, tout le calcul peut être fait avec des fonctions de Green dans un background. Ici, j'ai une fonction de Green qui était dans le background à état menu, plus des corrections à la fonction de Green. Par exemple, ça, finalement, ça, c'est une correction à la fonction de Green, parce que je suis allé de ce point-là à ce point-là, mais j'ai été modifié par une source. Donc, tout ce calcul existe si j'ai les fonctions de Green dans un espace anti-densité ou autre. Mais effectivement, la question serait de regarder, est-ce que tous les termes de surface que j'ai jetés contribueraient ou pas ? Je pense qu'il ne contribuerait pas physiquement tant que j'ai un système isolé et que j'ai des conditions à l'infini qui est comme dans ADS, que je n'ai pas de choses qui justement... ici, j'avais un système clos. Hein. Non, mais il y a des différences. Parce que, par exemple, dans deux citaires, une partie du système va disparaître. Une partie du système non, va passer... Non, deux citeurs est comme ça, donc je voilà. Peux avoir des lignes d'univers dans deux citeurs qui interagissent. Oui, mais il y a une partie des lignes d'univers qui va disparaître non. Pour un observateur qui va non, disparaître. Non, mais je n'ai pas d'observateur. Tout ce que je calcule, c'est des choses invariantes. Je calcule une action. Cette action-là, il n'y a pas d'effet d'horizon ou des choses comme ça. Non, mais tu veux calculer le potentiel entre deux particules. Oui, non, mais je calcule l'action. Le potentiel, c'est juste après, c'est juste pour dire, je calcule un Lagrangien, même comme ça, d'ailleurs, si je fais... dans ces tranches-là, les particules ne disparaissent jamais. Hein. Je ne vais pas utiliser un patch de points carrés, comme on dit. Bon, ça devient trop technique pour la plupart. Oui ? Oui, juste une question. En théorie des champs, disons les développements diagrammatiques, c'est parce qu'on fait des perturbations autour d'intégrales gaussiennes et qu'on a le théorème de Wick et tout ça. Est-ce que ici, ça ne semble pas être le cas parce que, en fait, ici, on fait un développement autour d'une théorie qui est, au départ, quadratique. C'est-à-dire, quel est l'équivalent du gaussien ? J'avais une théorie qui s'écrivait comme ça, plus des termes, après, plus compliqués, en phi cube, etc. Donc, j'ai simplement utilisé classiquement le fait qu'une théorie quadratique, avec couplage linéaire à la matière, peut se résoudre exactement. C'est la même chose que, au lieu de faire une intégrale fonctionnelle gaussienne, ici, je dis simplement, ça, c'est un problème de fonction de Green, linéaire. D'accord. Et après, le reste est calculé. Il n'y a pas l'équivalent du théorème de Wick qui permet d'avoir la liste de tous les termes ou... Est-ce que... Bon, d'abord, dans le théorème de Wick, il y a le problème des coefficients, de savoir s'il y a des termes des coefficients de symétrie. Au niveau, en revanche, non, le théorème de Wick est vrai ici aussi, en ce sens que tous les termes que j'ai dans l'action, okay, c'est-à-dire j'écris l'action vraiment, j'ai dit tout à l'heure qu'à la fin, ce truc-là valait donner un coefficient 1,5 devant celui-là. Mais en revanche,
ceux-là, tous les termes dans l'action, si je les écris, vont apparaître dans l'action de départ de champ, vont apparaître dans l'action de Fokker, la fraction réduite, telle que. Et en plus, avec le même coefficient, jusqu'à un niveau élevé. C'est-à-dire, donc le théorème de Wick, ça serait de savoir, est-ce qu'on peut a priori prédire quel est le coefficient de tous ces termes, est-ce qu'il est le même dans l'action, ou est-ce qu'il y a certains où ce coefficient, par des raisons de symétrie, et ce qui est vrai à un niveau élevé, sont modifiés. Ça serait ça, l'analogue du théorème de Wick, de ce point de vue-là. Oui ? Non ? Vous n'avez pas l'air convaincu. Mais le point important, hein, c'est que ça, en tant qu'action, je peux dire, c'est des choses comme ça, et maintenant je dis, je sature, en fait, un terme de l'action sur les sources, c'est tout ce qu'on fait ici, hein, je prends tous les termes de l'action et je les sature avec des sources. Voilà. Et l'action de Fokker est égale à cette somme-là avec le coefficient qu'il faut voir s'il y a des choses de termes de symétrie. C'est ça le théorème dont je parle ici, le calcul dont je parle. Le premier terme étant ça, JJ avec le G et puis tous les autres comme ça. Je regarde les termes dans l'action et ça me donne des interactions entre les sources. Voilà, classique. Et ça, c'est lié à l'amplitude de transition du vide d'un état en présence de source. C'est-à-dire, bon, l'analogue quantique de ça, c'est que c'est la phase W de si j'ai une transition sans émission de quanta à l'infini, et j'écris l'amplitude pour passer in-out, out-in, comme E puissance IW, en présence de source, W de J, OK. Mon action de Fokker, c'est W de J, à l'approximation classique. Quand je néglige les boucles vraiment quantiques qui sont celles-là. Parce que classiquement, effectivement, il n'y a pas ces boucles quantiques-là. Il y a toujours des boucles qui sont tri-level au sens de la théorie des champs, parce qu'elles se finissent toujours sur une source. D'accord ? Ça clarifie ? Merci.